Pinou! Ah, je suis contente de vous voir! Ah, j'ai pas arrêté ce matin. Je me suis réveillée à 6h30. J'ai bossé non-stop. J'ai quand même pu lire un petit peu. J'ai utilisé mon temps de petit déjeuner pour lire en même temps, avancer Nevernight. D'ailleurs, le tag, j'ai prévu de faire un tag littéraire. Et au final, je le sortirai la semaine prochaine parce que j'aimerais terminer Nevernight avant parce qu'il y a des chances qu'il soit dedans. Donc bon. Stream Disney? Parce qu'on a un Dream Snap à faire, on a un event à faire, on a plein de choses à faire. J'ai été tentée de faire Genshin, mais bien évidemment, il faut un temps pour tout. Allons-y! On a du travail! Oh, Shiragan, tu vas me la mettre dans la tête, la chanson. Une matinée qui va être remplie. Ah, mais là, j'ai pas arrêté, hein. Je me suis même occupée d'un truc d'impôt slash TVA qui était casse-couille. J'ai essayé d'appeler, je tombais sur une meuf qui avait clairement pas envie de bosser. Et j'ai réussi à trouver toute seule, du coup, je suis trop contente. J'ai dû me débrouiller, j'ai galéré 1 heure pour payer un truc que je devais même pas normalement payer parce que c'est un acompte, surtout que je dois payer en mai prochain, mais ils ont décidé que je verserai un acompte. Voilà. Non mais des trucs comme ça, t'es content à 7h du mat, t'es content, t'es content, c'est la joie. Et je vais voir Monte Cristo cet après-midi, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup bossé ce matin. Oh trop cool Rimoucha, coucou Wet. Bonjour, c'est mon premier live, je viens de YouTube, mais bienvenue Juju. Ah oui, Shiragan, c'était des grands moments. Je vais le voir à 16h. Ah bah, tu vois. Connexionne. Connexionne. Ah, l'administration, oui, c'est clair que c'est compliqué. C'est clair que c'est compliqué. Alors, Samo m'a dit de télécharger une appli sur Disney. Je l'ai pas fait. Qui apparemment donne les tips, les machins. Et moi, c'est en tant que société, Cachalot. Alors, c'est un autre délire, encore. C'est un autre délire, hein. Non, t'as 2 créneaux dans l'année où c'est casse-couille. Mai et décembre. Mais comme là, ils ont décidé que je paierais un acompte pour mai prochain, bah, j'ai dû payer en juillet. Ça fait toujours un plaisir, hein. Après, les acomptes, c'est pas chiant. Enfin, c'est chiant à trouver le bon truc sur le site parce que c'est pas marqué. Mais j'aime bien verser des acomptes parce qu'après, quand tu payes trop, ils te remboursent. C'est con parce que c'est ton argent, mais ça me fait plaisir. Quand ça revient, c'est pas... Bon courage, Mermaid, bon courage. Ah, j'avais oublié que j'avais mis la robe bonbon. Alors, on va aller chez Picsou. En priorité. Putain, je sais plus les touches. Je sais plus les touches. Il n'y a pas moyen de courir normalement. Je vais vous faire comme Genshin. On voit pas. Oh bah. Oh bah. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on voit pas? Attends, bouge pas, ça charge. Attends. Ah! Est-ce que là... Ah, doit y avoir un truc qui bloque au-dessus. Mais attends, c'est trop bizarre. C'est bon. En fait, c'est qu'en gros, il y avait l'écran... Parce que Genshin, je l'ai pas en jeu. Je l'ai en fenêtre. Et du coup, ça capturait la fenêtre Disney, mais c'est resté bloqué sur la fenêtre de chargement. Ah non, mais faut tout... Non, mais quand... Tout a décidé de me faire chier ce matin! Non, ça va. Franchement, là... Là, ça va. Là, on est pas... Ça va. C'est pas... C'est pas... J'aurais préféré que ce soit aussi peu compliqué. Hein. Et j'ai commencé le montage d'AS aussi ce matin, du coup, à 6h30. J'ai fait la première moitié de la vidéo. Donc j'ai monté 25 minutes. C'était... En vrai, là, ça va. C'est après que je vais m'énerver. Il n'y a plus rien chez Picsou, en fait. C'est genre... Non, Sardine, t'inquiète, c'était pour rigoler. Oh, c'est joli, ça! Oui, mais en fait, je me suis réveillée à 6h30. À 6h ou à 6h30? Et je voulais... J'avais des trucs à faire. Je me suis dit, vas-y, je vais les faire, comme ça, j'y pense plus. Ça, c'est beau aussi, j'adore! Je pensais que c'était Mérida. Tu l'as dévalisé. Bah ouais, faut croire. Merci, Liramia! Merci pour ton sub, ma poulette! J'avoue, pourquoi installer une appli d'astuce Disney quand on a un Samu addict à Disney qui connaît tout sur tout? Bah. Non, mais il faudrait peut-être que je la DL. Oh! Ce lit, on dirait le lit Playmobil. Je crois que je l'avais dit quand je l'ai acheté la dernière fois. Mais on dirait le lit. Il y avait un lit Playmobil rose à baldaquin que j'adorais quand j'étais gamine. Une matinée grave productive, je sais pas comment tu fais. Bah, alors là, en gros, ce matin. Du coup, j'ai lu Nevernight, j'ai avancé, j'ai dû lire une bonne cinquantaine de pages. Il est trop bien, vraiment. C'est pour ça que je vais le terminer avant de faire le tag littéraire, parce que, enfin le tag lecture sur le début d'année, parce que je pense qu'il va être dedans.
J'ai fait du coup la moitié. Oh, ça y est, sur la plage direct. J'ai fait la moitié du montage d'AS. Donc ça m'a pris, j'en ai eu pour une petite heure. Et je me suis occupée d'en répondre à deux mails pro qui me demandaient des factures et qui datent de l'année dernière que j'avais pas envoyées. Et je me suis occupée du truc des impôts. Et je me suis occupée des trucs d'administratif à côté. Et voilà. Et je suis là. Bravement. On va aller vérifier le courrier du DreamSnap. J'ai bien envie d'y croire. Ah, attends, déjà, on va prendre la quête de Rémi. Ah oui, c'est vrai qu'il a des quêtes quotidiennes, lui, aussi, maintenant. Tu veux de la terre riche? Oui, mais j'en ai. Ah oui, c'est vrai! Lui, il donne des... Ah non, faut que je la collecte. Ah oui, évidemment, sinon, c'est pas drôle. Lui, il donne des... Il n'y avait rien côté accessoires d'oro. C'était vide. Il donne des trucs en fer forgé, machin, là. À quelle heure est-ce que tu te couches? Je suis incapable de me réveiller avant 8h30 et encore, c'est quand je suis motivée. Je me suis couchée à minuit hier. Enfin, je me suis couchée à 23h30 et j'ai lu mon manga parce que j'avais pas eu le temps de le lire. Hop. Du coup, j'ai dû m'endormir vers minuit. Hop. Je me suis fait bouffer par les moustiques en plus. As-tu apprécié le biopic sur Amy? Qu'est-ce donc? Ah, les messages. Est-ce que je vais avoir un bon truc au Dream Snap? Alors, déjà, Vaiana nous donne des cadeaux. C'est gentil. Le sable, surtout, c'est très gentil. On prend aussi. Olaf qui nous donne du sable, on prend. Shiroken. Ok. Mergetel qui nous offre des cailloux et de la terre. Et alors, le Dream Snap, c'était style sucré. Je sais plus ce que j'avais fait. Ah mais si, j'avais un joli outfit. Na 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 na. Meilleure chanson. Meilleure chanson. Non, je l'ai pas vu, Juju. J'ai plein de films de retard au ciné, c'est un peu catastrophique. Bonjour Kiki. Allons-y. Allez, on y croit. Je regarde pas. Est-ce que c'est bien? C'est quoi, je regarde pas, je vous regarde vous, vous me dites. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai gagné des pierres de lune? Je reste focus sur vous. C'est pas zéro. Ah, c'est pas ouf. C'est pas zéro, bof. Ça va. En 900, oui, ça va. Ça va, ça va. Ça va. C'est pas incroyable, 900, ça va. Ça, ça aurait pu être pire. Effectivement. Alors, on va faire le nouveau Dream Snap. Ah oui, non, parce qu'attends, alors attends. Pour l'événement, apparemment, il y a des missions. Ah, on va aller chercher le basilic, tiens. Tant qu'à faire. Je crois qu'il y a des missions où il faut faire Dream Snap. Oh, Lenka, ça aurait été sadique quand même. Ah, c'est vrai que j'ai Figaro qui me suit. Mon petit Figaro. Figaro. Elle peut pas courir normalement, vraiment? Il n'y a pas un truc normalement où elle court? J'ai l'impression qu'elle est lente, mais je pense que c'est parce que je joue à Genshin souvent. Mais j'ai l'impression qu'on se traîne! Ah oui, c'est vrai que c'est buggy, ça. On est à 3, je crois. Ah ouais, en plus. Je pense au mariage de Figaro. Ça fait sens. Ah mais c'est... Vous trouvez pas c'est lent? Oui, quand elle joue, elle court plus vite. Ouais. Ouais, mais ça sera toujours long. Oh mon dieu. Eh, hey, j'ai pas joué ce matin, du coup. J'étais tellement focus sur mes problèmes d'administratif, de bordel à faire, que je me suis pas connectée. Ah si, je me suis connectée pour choper mon idée. Mais bon, j'ai rien fait, quoi. J'ai rien récupéré. J'ai juste ouvert le jeu, je l'ai refermé, quoi. Ce qui est pire! Elle peut pas grimper la falaise au lieu de la contourner. Mais oui! Mais on est d'accord!
C'est pas possible! Moi je trouve que c'est lent depuis le début de Disney. Oui, mais c'est parce que toi tu joues à Genshin depuis 3 ans! Fatalement! J'adore ton. C'est une robe, mais merci beaucoup! Je précise, c'est une robe pour l'information. Hein. Moi je me co hier, là, je me colla hier, j'ai pas pu. Ah! Non, parce qu'ils ont commencé un nouvel event sur le site d'Oyolab où tu dois créer des parfums. Et du coup, en voulant me connecter, je me suis dit, vas-y, je vais me connecter par l'idée. Mais en fait, c'était super chiant parce qu'il fallait recevoir un code par mail et je l'ai pas eu. Ça m'a saoulé. Du coup, je me suis connecté par le site directement. J'en ai fait un. Bah, moi, j'ai fait celui du tuto, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris comment faisaient les autres. J'ai essayé des trucs, ça a rien marché. Je fais, bon, je verrai plus tard. Hein. C'était vraiment 5 minutes avant le début du stream. Moi je dis Jasmine veste princesse Disney. Ouais, je respecte, je respecte. Ça se tient. Wally, putain, c'est quoi ce peuple? Mais regarde tous ces gens! Ça grouille! Où est Wally? Il doit être là-dedans, c'est sûr. Ah, il est chez PixPix. C'est souvent les events sur Ichan ou alors les quêtes des personnages. Quand tu montes niveau 10, t'as des robes souvent. Il est sur le site directement, l'event. Ouais, quand tu vas sur le site de Yolab, t'as un petit truc sur le côté. Et c'est là où t'as les détails. À la recherche de Wally. Bah, il est là. Oh, regarde, il lui offre une plante. Petite chose. Tu t'ennuies, chouchou? Peut-être que tu pourrais faire un peu de jardinage. Voilà, il est content. Parfait. Ah, les robes que je porte moi, oh, tu verrais ma pauvre. Eh, mes robes, elles datent toutes il y a 10 ans. Non, c'est pas vrai. J'ai des robes que j'ai achetées l'année dernière. Ma robe bleue avec les manches bouffantes, je l'avais achetée chez Naf en solde. Enfin, sur Zalando en solde avec Naf. Mais ils avaient rien cette année. Petit Bob trop chou. Ouais, oui. Hop. Extrait des gemmes. Ah, oh, c'est vague. Alors attends, on va d'abord faire les trucs qu'on peut dégager. Genre un chef 4 étoiles, on est d'accord que c'est 10 plats. 10 plats sans spécificité. Je vais voir au resto au cas où. Je pique des habits à ma mère qui ont plus de 20 ans. Oh bah, tu fais bien. Bonjour. Tu fais bien. Non, mais fringues, j'ai des vêtements que je portais encore déjà à la fac, tu vois. Ouais, c'est dur à trouver, Pandili, je suis d'accord. Alors, il veut un mélange du Bayou. Elle, je suis déjà niveau 5, donc ça sert à rien. On va lui faire ça, déjà. Je piquais plein de fringues à ma mère aussi quand je vivais avec elle. Elle s'achetait une robe, en général, elle finissait sur moi. Bien, il va falloir que je fasse l'event aussi, j'ai pas eu le temps et j'ai rendez-vous téléphonique à 11h, ça me déprime pour une fois que j'avais un peu de temps libre. T'as le temps d'ici 11h, là, t'as une petite heure. Ça vaut le coup. Pour les Ken qui te demandent de faire du snap, t'as le temps, c'est vers la fin. En ce qui concerne courir plus vite avec la jauge, tu ne cours pas seulement plus vite, t'as aussi le surf qui est encore plus rapide. Ouais, mais bon, faut que je me réhabitue à pas... Voilà, très bien, allons-y. C'est un mange. Moi, ma meilleure technique pour augmenter le niveau des persos, c'est pas de me faire chier, oui. C'est d'attendre qu'ils viennent au restaurant. Et je leur donne leur truc, et en plus je gagne de l'argent. Voilà, Hop. Et le reste, j'ai pas besoin de leur donner. Ah oui, alors attends, je voulais voir. Ah, donc même 5 étoiles, ça marche en fait. Bah, je vais donner. Je vais faire les gaufres pour réponse alors. Ça fera toujours un autre truc avec un peu d'argent en échange. Disney Village, c'est un peu comme Genshin, il faut jouer un peu tous les jours. Non, t'es pas obligé. Moi, je joue une fois par semaine, ça suffit. Après, il y a des moments où je dois faire un point de rush, genre s'il y a plein de mini-events ou plein de petites choses, tu vois. Et dans ce cas-là, je joue un peu plus, mais t'es pas obligé de jouer quotidiennement. Eh bah oui, je me disais, ah bah ouais. Même si t'as des quêtes de snap, faut le faire avant demain, quoi. Ah oui, non, mais de toute façon, le snap, je le fais, le dream snap, je le fais aujourd'hui, hein. C'était plus, est-ce que j'attends qu'il y en ait qui pop, tu vois.
Oh non, mermaid. Oh ma pauvre, oh la galère. Oh, je compatis fort, hein. Et c'était Mérida qui voulait. Ouais, alors elle veut quoi, Mérida? Hola! Qu'est-ce que tu veux, Choupette? Ah! Bon, alors, Campanule Rouge, je vais aller la chercher. Et Macchiato, on va lui faire. J'ai tant de merveilleux voisins. On va lui faire. Alors, Campanule Rouge. On va en profiter pour ranger mes machins. Des trucs chiants, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors attends, on va ranger un petit peu. Oh, c'est bien ce qu'on m'a donné. J'étais pas full. Bon, ceux-là, oui. On va tout avoir, hein. Donc je récupère ma petite campanule rouge. Elle est où? Elle est là. Hop là. Et je vais ranger le reste. J'ai des fibres. En vrai, c'est bien, hein. Des petits cadeaux comme ça qui donnent, on va pas se plaindre, hein. J'ai le sable et la terre à ranger. Le sable, surtout, je m'en plains vraiment pas. Ouais, bon, la terre, je suis fou. J'avoue. Attends, chouchou. Ah bah tiens, je peux lui donner directement des miennes. Je sais plus combien il en voulait, par contre. Tant qu'à faire. Ah, il en voulait 5. Tant qu'à faire. Autant s'en occuper. Et le reste, je vais pouvoir tège. C'est bon. Ah, Mermaid, ouais, c'est relou, ma pauvrette. Je compatis fort. C'est vraiment chiant. Ah, oh, Yuri-chan, je suis contente. C'était bien, si t'as passé un bon moment. L'inventaire, il est aussi grand que Minecraft. Ah, ouais. L'inventaire, t'as de quoi faire. Vraiment. Tiens, alors, Rémi, tu tombes bien. N'oublie pas, je suis Tiens. pas idiot. Ah, mais franchement, le jeu, alors, le jeu Disney, je trouve que c'est. Il est cool parce que t'as pas besoin, justement, t'as pas cette espèce de frénésie de te connecter tous les jours pour faire les J'espère te trucs. revoir bientôt. Et en même temps, t'as quand même beaucoup de choses à faire qui peut te faire que tu te connectes tous les jours quand même, tu vois. Alors, elle voulait quoi, poupette? Non. Maquillotons. Hop là. Et à la limite, pourquoi pas, pour gratter un peu d'amitié, cuisiner d'autres trucs. Parce que ça, c'est 4 étoiles. En fait, toi, les trucs de cuisine, tu cumules vite en vrai les trucs 4 étoiles. Hein. Au moins, c'est utile, tu vois, quand tu fais les trucs fav des persos. Bon, c'est pas prioritaire de le faire non plus. Where is Mirabelle? Regarde-moi ce bordel. Non, mais vraiment, il y a trop de gens. Mon centre-ville est trop centré. C'est trop de bordel. Oula, chez moi, Scar pêche au Donald, très bizarre. Ah, ouf. Ah, je compatis. C'est vrai que j'avais tourné la maison, j'avais oublié. Mirabelle! Des tas de choses dans cette vallée me rappellent ma maison. Voici un petit cadeau. Des campanules rouges. Ah oui, c'est vrai, il y a les souvenirs à choper, bien vu. Salut! Bien vu, bien Oh. vu. Voici un petit cadeau. Des maquis au thon. Ouh, Et c'est dans les maisons, hein, c'est ça. Buenos días. Hop. Bam. Très bien. Vote dans les Dream Snap. Très bien. Alors, après, il y a les truites. Alors, Dream Snap, on va le faire tout de suite, ça va être rapide. Alors, défi actuel, c'est quoi, juste par curiosité? Galerie d'art. Ah! Ok. Bon, on fera dans une pièce, hein, pour le coup. Hein. Et on va voter du coup pour mode Stitch. Ah, je m'étais bien débrouillée avec celui-là, je crois. Oh non, c'était pas incroyable. Non, c'était plus l'autre qui était mignon. Bon, ça risque de pas être ouf, hein.
Mode Stitch, bah il me faut du bleu au moins. Mulan est dans l'eau, c'est original. Bah, plutôt celui-là. Ah, on aura tous mis la casquette de Stitch. Là où il y a Stitch dessus, je prends. C'est pas full original, mais bon. On prend. Oh, c'est mignon ça. Avec la couleur de peau, il y a même AA en bonus, j'aime bien. Bon, là, je vote pas parce que ça ne collait pas. Samo est pas là. Non, t'as vu? Je sais pas ce qu'il fait. En plus, il m'a écrit hier, mais il s'est couché tard. Il a fait un dream snap de fou encore. Non, mais gars, Stitch, mais faites un effort. Voilà, voilà, quand même. Ah oui, j'avais fait la photo où je tenais Figaro, je crois, moi. Ça, ok. Bon, là, on n'est pas full recherché, mais au moins, c'est dans le thème. Hein. Là, là... non, là, oui. Plus joli ça. Pas mal. Allez, c'est bon. Hop. Faire un service au restaurant chez Rémi. Eh ben voilà, bah on y retourne, allez. Hop. On est reparti. Chez Dingo, Mickey, Merlin, en magasin Picsou, le château et les royaumes ratatouilles. Ouais, ok. On va récupérer les... Il faut fasse les topazes aussi. Faut que je vois si je me DL l'appli Disney. Parce qu'il était en mode, oui, c'est super utile et tout. Mais vous êtes un petit peu mes applis à moi, tu vois. Coucou, goodbye, comment vas-tu? Apparemment, il y a une appli Disney qui donne les recettes et qui donne des guides et tout. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il y en a une là-bas aussi, non? Ouais. La robe, j'avais même pas vu, elle est trop belle. Par contre, je me rends compte que j'ai moult à rattraper. Ah, ça c'est possible. Je savais pas trop bien si c'est vrai. Mais je crois que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ce qu'il m'a dit, mais je sais plus le nom. Bah, t'as les recettes de cuisine, des guides pour l'event aussi. Genre, t'as tout le truc de combien il y a de trucs d'event. Merci, baguette de pain, pour ton prime! Tu es fort croustillant et molletonné à l'intérieur. Les meilleures baguettes, quoi. On va pas se mentir. Les meilleures baguettes. Ça, c'est trop facile sur Google. Ouais, mais je pense que du coup, tout est condensé dans l'appli. Ça t'évite de chercher, en gros. C'est surtout ça, hein. Cette robe-là? Je sais plus. Je crois que c'était une des robes de réponse, hein. Il me semble. Alors, il manque un café, une morue croustillante au four et un thé aux perles à la framboise. Ah là, ça envoie du rêve, hein. Ça fait pas avancer ma quête de trucs, mais ça fait avancer l'autre, donc... on prend. J'ai pas le café? Je pensais que ce serait dans le dessert. Thé aux perles à la framboise. C'est la robe du niveau 10. Ah, voilà. Ah, merci, j'attendais que mon prime se reset pour mon prime à toi. Oh, c'est trop gentil, baguette de pain. Café, c'est où est le café? Where is the coffee? Dans le plat? Non. Dans entrée? Oh oui, ok, je vois pas la logique. Qui prend un café en entrée? Non, je l'ai pas installé. Non, non, c'était Savon qui m'avait dit, mais... J'ai pas encore... Voilà. Eh, c'est moi où elle fait la mafieuse là, regarde cette tête. Genre, Elle doit avoir un truc avec Eric. Il doit y avoir des bails. Bonjour. Bonjour. Bah, il y a un Olaf dans Genshin. La meuf à peine obsessée. Ouais, elle a l'air mauvaise, t'as vu, on est d'accord. Morue croustillante au four. Et c'est tout. En même temps, il est tôt, hein. Là, il est 10h. Morue croustillante au four. Non. Elle est là. Un Olaf dans Genshin.
C'était un gars dans la quête qu'on a une quête qu'on a eu hier. Ça va et toi, Tibélier? Bon, j'ai fait les plats. Heureusement que je les ai fait. Enfin, j'aurais pu attendre avant, mais j'aurais pas validé la quête, donc ça aurait pas été plus smart. Bon, on fera un point. C'est toutes les heures qu'il y a une mise à jour au resto, non? Ou toutes les 2 heures, je sais plus. Un truc comme ça. Alors, ça, du coup, j'ai récupéré pour ce matin. Il faut que je chope des tweets. Bon, ça me fait chier. Est-ce que je vais attendre que le resto se mette à jour. Je vais faire le reste en attendant. Je me dis. Ah, attends, on va aller récupérer du coup chez Rémi. C'est chez Rémi, ça? Ouais. J'ai eu un doute. Ah, baguette de pain. C'est pas du tout chez Rémi. La quête d'Obélix. J'ai pas encore eu de souvenir, non. Enfin, j'en ai eu au dernier stream, mais... Ah, il se met à jour dans 1 minute, le resto. Ah bah, parfait. Parfait. Scarlett, tu es mon guide. Y a rien ici. Bah, Picsou, on va attendre aussi. Je vais aller voir chez Merlin en attendant. Et les autres baraques. Je trouve la façon qu'il a de marcher, on dirait qu'il est sur qui c'est le plus fort, c'est le marsupilat soin soin, qui c'est le meilleur, c'est le marsupilat soin soin. Je trouve pas. On dirait qu'il marche avec ça dans les oreilles, genre ta 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 ta. Oh regarde, j'ai récupéré un souvenir. Les maisons, c'est juste Merlin, Dingo et Mickey. Ah, y a pas Mini aussi? On m'avait dit Mini, il me semble, mais. Et Rémi, mais... Non, je vais pas te parler. Non, mais je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais c'est pas... Not now. Comment on peut avoir confiance en nous? Je demande ça pour me préparer pour le lycée. Coach-toi. Ah oui, celui-là qui est coincé. Faut que tu te fasses des... Tout va bien, je me sens bien, je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis géniale. Je suis amazing! Tu vois? Et au bout d'un moment. Let's go! Ah, peut-être Ruxy. Il n'y a rien chez Mick Mick. Ah, Rémi, c'est dans le royaume, ok. C'est quoi comme type de jeu? Bah, tu vois Animal Crossing, c'est le même esprit. Mais il dort. Oh, la meuf, il est 10h. Oh là là, quel exemple pour la jeunesse. C'est un genre d'Animal Crossing, mais avec des quêtes. Et tu peux élever tes persos, comme dans Genshin. Y a rien chez Daisy, je voulais quand même être sûre. Et c'est, du coup, c'est un jeu... Alors, pareil, tu collectionnes les objets, tu peux décorer. Vraiment, en fait, c'est un jeu qui est hyper chill. Et t'as beaucoup de choses à faire. T'as beaucoup d'histoires, beaucoup de lore, si on peut dire. C'est quoi le problème de ce matin? Avancer les quêtes de l'event. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. On va essayer de... Et Dream Snap, bien sûr, puisque du coup, il se finit demain. Ça aussi, ça va être... Est-ce qu'il y a un petit souvenir quelque part Il n'y a pas de petit souvenir. Je vois, j'aurais pas cru à ce type de jeu. C'est franchement, il est trop cool. Faut aimer l'univers. Par contre, si t'aimes pas l'univers Disney, ça va te faire chier. Mais si t'aimes l'univers Disney, c'est incroyable. Vraiment. Hein. Et pour le coup, en termes de rentabilité, en gros, t'as des petits events toutes les semaines. Qui te permettent de gagner des pierres de lune, qui est l'équivalent un peu de tu sais, des diamants sur les jeux comme ça, que tu peux acheter normalement avec du vrai argent. Et avec ces petits events, tu fais des photos, et les gens votent pour toi, et tu gagnes des pierres de lune. Et avec ces pierres de lune, tu peux avoir des objets en plus, limités, machin. Et t'as des events tous les mois pour avoir des objets exclusifs, machin. Donc franchement, le jeu est vivant, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Ce qui manque d'ailleurs à Animal Crossing, hein, dans le développement du truc, hein. T'as une vie dans le machin, quoi. Par contre, j'ai rien du tout, moi, dans mes trucs.
Ah, mince baguette. Ah, oui. Ah, bah voilà. Ils sont tous là, en fait. Il y avait un gâteau souvenir. Ah, où ça? J'ai pas vu. Chez Vaiana? C'est un jeu à mise à jour, c'est ça. Un petit double. Hop. Je reviens chez Vaiana alors. J'avais oublié que ça pouvait être des gâteaux. Alors attends. Où tu as vu, vous avez vu un gâteau? Plus les coffres de pierre de lune quotidienne, ça fait 350 pierres de lune à la semaine. Ouais, c'est ça. Alors ça, j'avoue, je le fais pas. Aux grandes dames de Samo qui m'engueulent chaque semaine. Ah oui, il est là le gâteau. Mais oui, effectivement, t'as des coffres de pierre de lune. Très bien. On avance, on avance. Les souvenirs, ça revient tous les combien de temps? Toutes les heures ou toutes les deux heures? Coucou Miss Tsugumi, ça va et toi? J'ai repassé chez Merlin du coup parce que j'ai pas encore fait. Mais on aura fait tout le monde pour le mini-event. Faudra qu'on refasse un tour, hein, mais... Parce que du coup ça se... Oh, bravo Miss Tsugumi, bravo. Ça se réactualise. C'est dur à dire, c'est assez aléatoire. On essaiera de voir toutes les heures. Là, il est... Mais de toute façon, c'est facile, il est 10h. Donc comme ça... Peut-être 30 minutes, ok. Donc à toutes les mises à jour, de nouveaux personnages sont ajoutés. Quasiment, en vrai. Ouais. C'est pas systématique. Mais... Oh bah si, si, quoi que je dis ça. Là, on a Mulan et Mushu qui sont ajoutés à la dernière mage, avec, qui ont eu un pays, j'allais dire, un territoire et une quête histoire en plus, qui était cool. Et à côté de ça, t'as les nouveaux persos, des fois t'as des nouveaux endroits, t'as des nouveaux objets. Et en fait, tu vois, par exemple, là, il y a un event. Donc t'as des quêtes à faire pour récupérer des pièces. Là, c'est les pièces Mushu, tu vois. Et en gros, tu récupères des mascottes, des tenues... des objets et des tenues pour tes personnages aussi des fois. Là je crois pas qu'il y en a cette fois-ci. Ah si, t'as une robe pour Mulan. Qui est pas... C'est pas full original hein, mais... Donc vraiment t'as de quoi faire. Hein. J'ai une question pour ceux avancés dans l'event, le personnage qui rime avec fantasy. Ah ça je peux pas t'aider du coup, j'y suis pas encore. Bon, on est pas mal. On va faire un petit peu... les truites. Il y a ça qui est super chiant. Ah oui, le resto. Parce qu'il est 10h. Je vois, ça a l'air d'être cool, c'est vrai. Ouais, mais c'est très vivant, tu vois. Il n'y aurait pas les events, je me serais lassée. Clairement. Mais il y a les events et du coup, t'as vraiment un gros potentiel de découverte, de nouveautés. Puis eux-mêmes, ils ajoutent des trucs non-stop. Hein. Genre là, t'as un mini-event en ce moment... où tu peux récupérer pour la sortie de Vice Versa 2, tu peux faire des petites mascottes avec les souvenirs, ce que je viens de chercher là. Enfin, t'as vraiment de quoi faire. Ils renouvellent. Pour le moment, ils ont à cœur de renouveler le truc, quoi. Faire les tâches royales, c'est vraiment le pire. Ah ouais, de ouf. Je suis d'accord. Super chiant. Hop. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux clients au restaurant? C'est ce jeu qui t'a marqué avec le fer. Oui, je crois. Je sais plus ce que t'as exactement en tête. Alors, tourte à la viande et burger de thon. Très bien. Tourte à la viande et burger de thon. Burger de thon. Garoto. Ce jeu m'a marqué sur pas mal de choses, en fait, Baguette. Parce que des fois, en fait, il te faut farmer. Genre, il te faut 20 thons pour une quête. Du coup, tu pêches. Tu pêches et t'en as marre. Et tourte à la viande. Donc quand ça veut pas... Et les Penstemon, Stream Genshin aujourd'hui. Ah bah non, je suis déjà en stream là. Hein. C'était quoi le truc? Merde, douille. J'ai oublié. C'était quoi le machin que je devais choper? Tourte à la viande, ben voilà. Heureusement que j'en ai acheté. T'as raison, Mayin. Bon courage pour ta journée.
Jamais essayé les burgers bretons, ça a l'air spécial. C'est vrai qu'en vrai, avec l'assaisonnement, peut-être ça passe, hein. Salut. Non, on la revoit pas du tout, goodbye. Et bim, un petit niveau avec une mule. Et tu vois, genre, quand tu montes tes personnages, faut que tu les montes niveau 10 et tu gagnes des outfits et t'as des quêtes avec eux et tout. Des fois, quand je regarde des rediffs Genshin, tu dis souvent qu'il faut prendre du fer au cas où ils t'en demandent pas de sang. Ah oui! C'est clairement ce jeu qui m'a traumatisé sur les quantités. Vraiment. Pour Resto, c'est toutes les heures qu'il y a des nouveaux persos. Ok. Attends, je vais prendre sa quête. Un régime d'entraînement quotidien, d'accord. Génial. Hein? Une pizza végétarienne. Ah bah c'est bien, d'accord. J'y suis, donc en vrai... je vais peut-être lui faire maintenant. C'est toujours un plaisir. Comme il faut que je cuisine des trucs 4 étoiles. Et il m'en faut 2 en plus. Je suis trop mal par les quantités sur Genshin aussi, alors ça va pas te soigner. Bah super. Bonjour. Ah bah bonne idée, néné. Et ça, c'est juste en augmentant de niveau. C'est ça. Et tu vois, genre là, par exemple, j'ai augmenté... La Mulan, je l'ai augmenté niveau 4. Et en gros... Alors, t'as pas des quêtes à tous les niveaux, mais je crois que t'as 3 grosses quêtes, genre au niveau 1, évidemment, au niveau 4 ou 5, et au niveau 10, ou 7. Enfin, ça se ponctue. Et du coup, bah, ça te permet de passer des moments avec les personnages, d'avoir un peu d'univers. C'est vraiment sympa. Ah bah parfait, c'est des 2 étoiles en plus. Enfin, des 5 étoiles. Pour ma quête, ça va être nickel. Mushu va pas au resto. Ah ouais? Pour monter les persos, les quantités, c'est horrible. Oui, dans Genshin. Oui, j'ai cru comprendre. On a farmé un petit peu avec Watel hier soir. Ah, j'ai joué à Genshin hier soir. À la base, j'étais en mode, vas-y, je joue 30 minutes. Et après, je vais lire. J'ai joué 2 heures. J'ai pas lu. Mais j'ai élevé mes persos. Il me manque juste l'arme de Bennett. Que j'ai pas élevé. Génial. Parce que j'avais pas... ce qui me manquait, c'était les dispo dans un donjon que mercredi. Voilà. Oui, on allait chercher le boss de Bennett. C'est vrai que ça a joué. Parce que du coup, on a dû explorer. Wouh! D'accord. Parfait, j'ai gagné une pizza. Je dois y aller. Au revoir. Alors, tu vois, c'est trop bien parce que là... J'ai la quête de Mulan, et en même temps... Putain, j'ai bien fait de la prendre. Et en même temps, je dois extraire des minéraux. Des minerais, pas des minéraux. Les minéraux, c'est dans le sang, ça n'a rien à voir. Mais du coup, c'est cool. Je vais peut-être me prendre une potion. Parce qu'il me faut quand même pas mal de choses, là. Hop. Et ben voilà, c'est mon spectacle. Des bracelets, pourquoi, Sandrine, dans Disney? Hop. C'est quoi IO 22024. Je sais pas si je l'ai pas déjà eu. Ah, peut-être pas. J'arrive pas à quitter. Mince, ça l'a fait bugger. Ça arrive des fois que le truc il bugouille. Ah non, je pense pas que ça ait fonctionné. Attends. J'avais vu un message mais... Non, je l'ai perdu, c'était trop haut. Ah bah tiens, si, le voilà. Oh, trop cool! Merci pour le code. On a gagné 4 bracelets. Du coup, oui, je vais prendre une petite... Alors, si je prends une petite potion pour miner, on est d'accord que ça marche quand même pour les machins. Attends, on va ouvrir ça tant qu'à faire. Ah non.
pour 10 utilisations. Attends, au cas où, je vais prendre la deuxième aussi, hein. Parce que là, il m'en faut beaucoup, donc... Putain, il faut que j'en chauffe vraiment beaucoup. Un bonheur. Tiens, bah Sandrine, attends, regarde. Le petit coffre que j'ai là, qui est la récompense du Dream Stamp de la semaine prochaine, de la semaine dernière. Ce qu'il y a dedans, ça va te représenter l'ensemble. Ouais, je mûris, Priage. Oh, un petit outfit combinaison. Et deux montres. J'ai pas réussi à passer à côté, mais il y avait deux montres avec. C'est stylé. Go, alors. Potion. Topaz. Amour de ma life. Ah, mais non, petite potion. Ah, donc en fait, il faudrait une grosse... Que là ça change rien hein. Mais mermaid enfin c'est pas grave, tu sais, enfin de manière générale ceux qui sub c'est adorable de votre part et je vous en suis très très reconnaissante parce que bah c'est grâce à vous entre autres que je peux vivre mais enfin à partir du moment où vous êtes là bienveillant et que vous êtes en plus bah présent, enfin je veux dire c'est la plus belle chose que vous puissiez faire hein. Vraiment, faut pas t'inquiéter. Oh, ah mais attends, faut que je prenne un gars qui m'aide à miner, j'y pense jamais. Qui c'est qui a un petit bonus, est-ce qu'il y en a un? Tiens, Mulmul et Mouchou, par exemple, je leur ai mis quoi comme bonus? Ah bah Mouchou, je suis pas encore assez amie avec lui. Damnit, il est où? Ah bah il est juste à côté, tiens, ça tombe très bien. Mouche Mouche, Mouche. Ah oui, t'es tellement petit, je te voyais pas. Viens là. Hey, content de te voir. Que penses-tu de Mulan? Ok, faut que j'arrive à monter niveau 2 pour lui donner une spécificité. Content de te voir. Voici un petit cadeau. Du bois tendre. Voilà. Nickel. Oh, c'est pas ouf ces cadeaux, hein. J'ai un pantalon en lycra, là, je... Ok. Et ben, on va te mettre extraction, voilà. Ça tombe bien, j'ai besoin de toi. Vas-y, vas-y, je lui parle. Ouais. Oh. Faut que j'aille... Oui, bah ça attendra, chouchou. J'ai pris ta quête, faut que je retourne à son truc pour récupérer des... comment ça s'appelle? Des criquets porte-bonheur. Mais ça attendra. Là, on va essayer de faire Mulmul et le... je fais pas les quêtes personnages là. C'est... là, j'explique pour ceux qui connaissent pas trop encore. Mais c'est pas prioritaire parce que l'événement est temporaire. Là où les quêtes personnages... bon, bah t'en attends que tu veux, quoi. Par contre, je vais clairement prendre une grande potion de minage. Parce que la petite, elle sert à que dalle. Hein. Vraiment, l'utilité de la chose me dépasse. Bisous Lenka! Bon courage! Pioche. Eh, cristaux de Vitalis, j'en ai pas. 10! Non, mais on va pas le faire. On va miner, on va miner, on n'est pas pressé, hein! Voilà, c'est... On a le temps, hein. Ouais, j'ai que 20 Onyx. Bah, je garde 20 de tout, en fait, en stock. Mais Onyx, peut-être que du coup, je vais en garder plus. Un câlin. Mais si tu veux, ma mermaid. Gros câlinou, ma poulette. Comme ça, je monte avec Mouche Mouche. Ah, mais les grenats, ça monte, hein. C'est les autres qui vont me manquer, là.
Après, ça tombe bien, comme j'ai une quête, encore une fois, qui me demande de farmer de choper des pierres. 50, c'est le max. On va faire ça, hein. Ah, merci, mouche-mouche. Mais les autres, on est d'accord que 20, ça suffit, hein. Des tournesols! On avait offert des graines de tournesol pour notre mariage. Un petit cadeau pour les invités. Avec des Smarties, enfin des M&M's, mais sans cacahuètes. Parce que les cacahuètes, c'est le démon. Ouais, bah je vais les garder, les Onyx, hein, j'entends. Mais les Onyx, ça tombe un peu partout, on est d'accord? Salut Arpur, comment tu vas? Vas-y, fais péter mouche-mouche. Ah mais c'est pas ça qu'il me faut, évidemment. Ça me ferait penser à un épisode d'un Campus Life et Kékéhuette. Kékéhuette! Ouais, du sable. On n'a jamais trop de sable. Ils en ont besoin pour faire le verre. Ça me fait penser à Dr. Stone. Genre, ah, il faut fabriquer ça. Il faut ça. Ah, ça compte pas, ce qu'il me donne en supplément. Sérieusement? Ah, un coffre bleu. Allez, 50 pierres de lune, on va pas dire non, hein. Ok, il les a... Ah ouais, mais je savais pas. Pour le coup, après j'en ai 20, hein, j'en ai pas zéro, mais... Faut dire, en général, pour les quêtes, on m'en demande pas beaucoup. Genre, j'en prends par-ci, par-là, mais... Les bonus ne marchent pas ni pour la paix. Bon, après, c'est pas grave, je le garde quand même, parce que ça m'augmente mon XP avec lui, donc c'est bien. Mais bon... Crotte-crotte, hein. Crotte-crotte, un peu. Voilà, très bien. Monte, mouche-mouche. Monte, mon petit mouchou, monte. C'est très bien. Il est beau, le papier peint. En vrai, il y a un des trucs, c'est un des rares trucs que j'ai chez Picsou qui est pas parti, c'est les papiers peints et les sols. Alors là, pour le coup, j'ai du stock. Comme ça, on aura le magnifique pantalon. Ah, bah, on va être beau, hein. On va être beau comme un camion. En sachant que là, la quête que je fais pour Mulmul, ça urge pas. Hein. C'est juste que je me dis, tant qu'à faire, autant optimiser. Et puis ça fait des sourds en vendant les pierres, c'est ça. On m'a pas demandé ça. C'est longuet, hein. Et attends, du coup... Je suis à 10 sur 15. En vrai, ça, au moins, ça avance, tu vois. Ça, il me manque qu'un. Est-ce que j'ai un truc spécial? Ah, faut que je fasse deux autres trucs de trucs. Ah, il faut du café. Voilà, voilà. C'est pour ça, en fait, comme il me faut aussi des quêtes quotidiennes, là. Il y a tellement de choses à penser en même temps. Trois champignons. Ok. Un champignon! J'ai besoin d'un champignon! C'est un peu des vaches quand même parce que genre la mulmule, il faut que je récolte les graines, les cailloux, tu vois. Alors que je les ai en stock. C'est pas juste donne-moi les graines, tu vois. C'est genre il faut que je les chope. La subtilité est vache. Pourquoi je me fais chier à avoir un inventaire de la taille de mon avenir? En tout cas j'espère, ça veut dire qu'il sera long. Si c'est pour qu'on me dise ah, va récolter les trucs. C'est vache. Très bien. Ah, encore ? Putain, je vais jusqu'à la fin des temps, ces trucs-là. Ouais, mais grave, pris. De ouf. Mal basilic, hein. C'est pareil. Genre, si on s'emmerde à farmer hors event, c'est pas pour avoir à tout faire au dernier moment, tu vois. Mais bon. Alors, attends, j'ai aussi un truc où il faut que je change la garde-robe.
Voilà, nickel. Tant qu'à faire, on essaie de grouper. Ça, ça sera au resto de toute façon. Et on va remonter dans la prairie. Ça tombe très bien. C'est vrai qu'il y a l'aspirateur. J'y pensais plus. À chaque fois, j'oublie que j'ai ce truc-là. Je vais le mettre, tiens. Ça me fascine, tout mon stock est commencé à organiser. Je suis un peu toqué. En même temps, faut ce qu'il faut. Hein. Très bien. Hop. Donne-moi du caillou, toi. Alors, l'aspi. Prime snap, 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 snap. Je sais plus dans quoi c'est. Commodité? Non. Ah si! Aspirateur. Ah bah il y en a trois. Écoute, mieux vaut ça que un. On va le laisser là. Parce que pour le moment j'ai besoin des basiliques, donc j'aurai pas besoin d'autre chose. Ça c'est fait. Nourrir un raton laveur. Hauteur glacée, terres oubliées. Ok. Zoup. Oui, c'est vrai, Orpure. Ça fait longtemps. Pourquoi tu repenses à elle? Il y a une raison? On parlait d'elle, je sais plus quand. Je crois que c'est au stream 8h. Trois poissons. Ouais, mais j'ai pas encore assez, Scarlett. Pour l'évoluer au max. Je l'avais déjà évolué un peu, mais... Ouais, c'est au stream 8h, on en a parlé. Un poisson, fort bien goûteux. On continue à miner, hein. L'aspirateur, c'est ce qui permet de... Hop. Ah bah tiens. Ça te permet d'aller... de ramasser toute une catégorie d'items. Tu peux même tout ramasser tout court, mais il faut l'évoluer beaucoup, donc... Ah, elle a faim. Elle a faim, ma poulette, elle a faim. Moi aussi, je commence. Avec 10h30. Dans ce bon sens, ça veut dire que ça fait qu'une heure qu'on joue. Dans le mauvais sens, ça veut dire que le déjeuner est loin. Il est où Mouchou là? Ah, il se balade. D'accord. Il fait sa petite vie. Petit boisson là. J'avais jamais vu encore. Oui, alors j'ai utilisé la dernière fois pour la première fois. Ça fait pas beaucoup de streams que j'utilise. Je leur dis correctement. Un petit croix-croix. Allons-y, il faut pêcher. Ah ça, ouais, le truc de 15 objectifs quotidiens, là. Ah, d'ailleurs, j'ai changé mon planning. Semaine prochaine, je vais faire l'update lecture au final. Ça va couper un petit peu la poire en deux. Sinon, l'update était dans vraiment longtemps. Enfin, dans 2-3 semaines. Et il allait être trop long. Donc... Mardi prochain, il y aura update. Et j'aurai fini Nevernight avant. J'ai pas le choix. Très bien. Plante 5 légumes. Et bah, tu sais quoi, on va récupérer les citrouilles. Je me demande qui dirige cette vallée. Une citrouille, c'est un légume. Et où il se trouve. J'ai un gros doute. Ouais, ça c'est stylé, Lia. Oui. Merveilleux. Alors là, je pourrais prendre un perso qui double les récoltes, hein, on est d'accord. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas comme si on manquait d'argent. On est à l'aise financièrement dans le jeu, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, c'est vrai que j'avais reformé. 6, 7, 8.
C'est ça, 40. Mais non, Jashana, mais crack. Si financièrement tu peux, meuf, les livres c'est bien. Ah, je vais voir Sophie, moi, lundi prochain. Et j'irai en librairie à ce moment-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le book haul est décalé. Autant que je mette mes dernières commandes. Hop. Salut. Coucou Snaily. Bonjour mon ami. En parlant de bouquins, j'ai commandé Circe, le secret de Pembroke Park et le port de marin perdu. Oh, trop bien. Et que des lectures d'été. Prix, c'est incroyable. Oh, nice. Ah, ah, déjà. Bon, on va déjà planter. Ah, le secret de Pembroke Park, il est trop bien. Oh, d'ailleurs, Alice, je crois pas que tu l'aies lu, le secret de Pembroke Park. Il te plairait beaucoup. Il y a une vibe Orgueil et Préjugés, mais avec un mec badass, avec des fêlures. Enfin, c'était genre gentil, mais machin. T'as vu, j'essaie de faire deux saisons. C'est beau, Prépré. Ah, bah, tu veux t'acheter quoi, Jashana? Vas-y, dis-moi. Je vais te dire. Je vais te dire si ça vaut la peine. Ça fait des années que j'hésite. Ah, c'est un poche, en plus. Il coûte pas cher. C'est vous, pas du tout la personne qui va vous aider à être raisonnable financièrement quand il s'agit de livres. Ça dépend quoi après, hein? Ça dépend quoi, hein? Mais j'avoue que bon. C'est un beau plaisir. Poche Hauteville. Ouais. Moi, je l'avais. Je suis pas sûre que c'était Hauteville que j'avais eu, mais. Mais ça ne m'étonne pas du coup. Ça colle bien. Oh, quand tu veux, hors pur. Été, ça passe de ouf, Anne. Mais en vrai, Anne, la série Anne de Green Gables, enfin Anne with a Niece, regardez-la n'importe quand. Parce qu'en gros, ça se passe sur plusieurs mois, donc. Mais vous avez des gros paysages de nature et tout, enfin c'est sublime. Mais je trouve que pour l'été, il y a quand même une vibe, parce qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de nature. Et certes, il y a quelques passages sous la neige, mais de manière générale, ça te donne envie d'être dans la nature, de marcher, de... tu vois. Ok, très bien. Alors, on va falloir qu'on libère un petit peu... Ah bah attends, ça je récupère. Qu'est-ce que j'ai autant de bordel, là? Ah bah oui. C'est quoi le nom du livre avec l'homme? Le secret de Pembroke Park, Pandy. D'accord, Amélia, bah on est ravis de le savoir. Il y a trop de liberté dans ce stream. Il y a trop de liberté. Bah tiens, Amélia, pour le coup, la peine, le meuble te représente pour les prochaines 24 heures. Tu es une rosace gothique. Soit, c'est joli. C'est joli. Pas pour le rapport, mais... J'aimerais bien commencer le temps des sorcières, ça fait été ou pas, sinon j'ai Circé aussi. Circé fait été de ouf, puisque en gros ça se passe beaucoup sur une île et il fait beau tout le temps. Après, le temps des sorcières, il passe un peu en toutes les saisons. Il y a des livres où il n'y a pas forcément de saison parfaite. Hein. C'est, le temps des sorcières est un peu mixte, tu peux le lire un peu n'importe quand. Je vais peut-être repasser à la baraque quand même. Pour... Alors ça, je me rappelle que j'en avais trop. Mais ouais, je vais repasser pour voir ce qu'il me faut en stock. Ça me semble plus smart. À plus. Enfin, à la base, j'allais pas là pour ça, mais hop hop. Vends deux poissons. Ah bah alors attends. Non, maintenant je ferai après parce qu'il faut que je pêche des harengs, je sais pas quoi. Salut. J'aime bien, c'est joli. C'est vrai. C'est chouette. C'est chouette. Trouve 3 scintillons, c'est quoi hein? Attends, on va aller faire ça. Il faut nourrir un raton laveur, ça c'est rapide. Enfin, c'est rapide si je trouve un raton laveur, évidemment. Sinon, on est un petit peu ralenti dans le projet. Hein. Ah! C'est pas ce que j'aurais préféré avoir. J'aurais préféré que ça me fasse ça sur des gemmes. Je vais pas se mentir, mais bon. Il y avait un raton laveur. Je le suis. Ah, des pierres brillantes. Ok. J'ai pas bougé. C'est pas moi.
Eh bien, tiens, prends une petite mûre. En plus, j'en ai une en trop, c'est parfait. Ah, les sentiments sont des choses qu'on trouve avec le sablier dans les royaumes. Ah oui, je vois ce que c'est. Ouais, je me disais, ok. Ok, et hauteur glacée, faut que je place 3 déco. On va le faire aussi. On est à côté. Hop. Je crois que c'est ça en plus. J'ai même pas vérifié. J'ai été très confiante. Pourquoi il y a la souris là? Hop. Un petit pot de fleurs. Un treillis. Et la moto. La fameuse, la seule, l'unique. Nickel. On va ranger ça parce que c'est moche. Alors, pause pipi et je reviens. Parce que là, je vais me faire pipi dessus et personne ne veut ça. Moi, la première. À tout de suite. Et me revoilà. Je vais me chercher un bout de pain avec du houmous. Ah, oh. Ah, Shoshana, ah oui. Après, il y en a plein, je connais pas. Hein. Donc, il y en a, je suis pas responsable. Hein. Non, mais il y a des trucs. Il y a des trucs que j'influence. Le truc, c'est pas moi. prends une photo, ça je peux le faire maintenant. Écoute, Jashana, si ça te plaît, moi j'ai envie de dire fonce. Hein. De toute façon, tu vas les acheter. On est à 11 sur 15. Ah, pas mal. Mouchou, il a quoi en cadeau favori? Tant qu'à faire, si je peux augmenter un petit peu le level et il est à côté de moi. Ah, je l'ai déjà donné. Marguerite jaune. Ah! Marguerite jaune, on va peut-être lui donner aussi. Ça se chope où, ça? Sur la prairie. Voilà. Petite maison dans la prairie. Hop là. Fonce, Kiki, fonce. On n'a qu'une vie. Ben non, parce que le souci, c'est que dans la commu, il y a aussi des choux qui influencent fort, mais du coup, ça découle aussi de la commu. De toi à la commune, donc quelque part, je dirais que ta responsabilité est tout de même bien présente. Je comprends. Marguerite jaune, allez. Hop. En avant pour la grande aventure. Voici un petit cadeau.
Bonjour. Rapide, efficace. Forêt. Faut que je repasse à la baraque poser les trucs, mais j'avoue j'ai envie de finir les quêtes d'abord. Tu sais, je me dis plus je traîne, plus ça va être efficace. Mais oui, non, j'ai encore deux places. Eh, on est large. Mais je comprends, Jashana, je suis moi-même influencée par la commune, donc dure vie que la nôtre, hein, j'ai envie de dire. Ouais, du coup, c'est lundi prochain, je vais craquouiller. Oh, craquouiller. Ce mois-ci, j'ai pas beaucoup de sorties qui m'intéressent, donc je vais en profiter pour avancer mes sagas, mais c'est surtout des poches. Genre, il me faut le tome 3 de Crom Crom, même si je suis pas prête. I'm not ready! La suite de Claudine, la suite de Amie prodigieuse, tu vois. Il me faut des suites de saga qui me bam. Et Amie prodigieuse, j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Genre le tome 1 m'a beaucoup plu. Donc il me faut la suite. Pareil pour Claudine, pareil. Peut-être un autre George Sand, hein, tu vois. C'est un achat de poche. Pourquoi je mine ici? Ah oui, parce qu'il fallait que je mine dans la forêt. Voilà. Parfait! Et ça nous a validé un... C'est bien, on a avancé sur la quête de Mulmul. Bon, lentement, hein, mais on a quand même avancé et on a fait ce truc-là. Très bien. Oula. Passe du temps avec une villageoise de Motonui. Ah, bah il nous faut Vaiana. Attends. Pourquoi deux? Ah, faut que je lui parle. Ça, l'intitulé met en, induit en erreur. Trois décorations sur la plage. L'amour à la plage. C'est de l'occasion, donc un peu plus de 120 euros. Et pour combien de livres? Putain, par contre, ça fait beaucoup, hein. Et ça va pas te stresser de niveau pâle d'avoir beaucoup d'un coup? Je dis ça parce que je vis avec une pâle énorme, donc je sais ce que c'est. Et en fait, là je suis à un stade où ma pâle commence à retrouver un petit peu doucement une forme humaine. Mais d'ici le boucle, je sais que ça va me réintégrer plein de trucs, donc... Je ne m'y habitue pas. Enfin, en vrai, c'est juste que je suis en train de lire Nevernight, donc ça m'a libéré l'espace de 3 livres classiques, tu vois. Enfin, ordinaire. Des ballons. Faut juste pas avoir de pavé. Ouais, ça joue, hein. Par contre, tu vois, psychologiquement, quand du coup, je lis un poche... J'ai l'impression que ma pâle, elle diminue pas du tout. Alors que c'est un livre. Je veux dire, un livre, c'est un livre, tu vois. Mais... C'est... Ouais, c'est compliqué, hein. C'est... Au moins, Nevernight, tu vois, je le lis, je sens la diff. Tu vois, je sens le travail. De toute façon, j'ai plus de place, là. Faut que je rentre. J'ai que des trucs qui me demandent de l'inventaire. Pour 16 livres, non, je suis habituée à avoir une pâle de quelques centaines de livres, je le vis bien maintenant. Je comprends. Allez, ranger tout ça. Je vais voir si aussi les trucs de Mulmul, je peux pas les récupérer en fait directement. J'ai un petit doute quand même. Ça du coup, ça retourne ici. Le métal, il va là. Poisson. Moi ça va, ma Ushi c'est toujours plus grande que ma pâle. Alors moi aussi. Mais ça n'empêche pas que j'ai une pâle énorme. Hein. Ceux-là j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai pas voulu les vendre. Ah bah ceux-là j'en ai même pas du tout. Ah mais je crois que eux ils sont dans l'autre inventaire. C'est pour ça. Il me semble. Du sable. Très bien, on a bien remonté pour le sable. Je suis contente. Un petit cristal. Oh, je suis déjà full. Salut Lady Armo, comment tu vas? C'est plus ma wishlist de 2000 livres qui me stresse. Je me dis que j'aurai jamais assez de temps et d'argent aussi accessoirement. Ouais. Après, peut-être dans la wishlist, c'est des trucs qui te tentent moins quand même, tu vois. Genre, t'as... J'ai refait mon stock. T'as forcément des trucs que t'as mis plus à titre indicatif, non? Ou t'as vraiment tout que tu veux lire? Sinon, c'est vrai que...
Oh, bah tant mieux, Mermaid. Non, car le but, c'est que tu t'entraînes à miner. Ah, bah oui, Scarlett, bah oui, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Hop, très bien. Ça, c'est le fer en plus, c'est pas dégueu. Attends, j'ai quand même un petit doute. Ça, du coup, je vais les garder. Il faut quoi, par exemple? Il faut 3 topazes. J'ai pas de topaz. Ah si. Ah non, ça marche pas. J'avais l'espoir. Mais du coup, ce que je chope, est-ce que si je les remets dedans... Genre, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça compte ou... Je suis obligée de les avoir avec moi. Oh mon dieu, Jashana, au secours. La wishlist, par contre, comment dire que ça s'allonge au moins une à deux fois par mois, donc bon, mais j'aurai une wishlist jusqu'à la fin de ma vie. Ah oui, moi, la wishlist... Non, ok, ça reste là, ok, ça va. La wishlist, clairement, j'ai fait mon deuil. Hein. Mais mine de rien, je me dis, j'avance, tu vois. Ça se voit pas forcément, mais bah typiquement, tu vois, genre Cromwell, il me reste un livre et j'ai fini la saga. Claudine, que je veux lire depuis hyper longtemps, pareil. J'ai lu le premier, enfin. Donc let's go. C'est un peu comme les mangas en fait. T'as pas l'impression d'avancer, parce qu'il y en a trop, mais au final t'avances quand même. Et tout le reste, je vais pouvoir dégager en fait. Hein. Le café. Notre coco, faudrait que je les récupère. Je les récupère pas. C'est vrai que faut que je pense à récupérer les noix de coco quand je passe à la plage. Mermaid. Wishlist, c'est aussi un pense-bête. Ouais, c'est ça. Ouais, faudra que je récupère les noix de coco à la plage. Ok, bon. Au moins, mon inventaire est libre. C'est déjà une bonne chose. Si vous voulez acheter d'Oka, je conseille le site La Bourse Livre qui est très bien. Ah, je connaissais pas. Prenons des boules. Ah, j'avais espoir que ce soit un peu plus costaud. Au moins on a eu des boules, hein. Partons là-dessus. J'ai vu Vaiana dans le coin, mais j'ai peut-être rêvé. J'ai pas rêvé, je pense, mais elle est repartie. On va aller récupérer du coup les trucs à la plage pour vendre les poissons. J'aime bien la bourse aux livres. Je savais pas que t'achetais d'occasion, Alice. Moi j'adore acheter en physique les livres, c'est ça mon problème. Coucou Shani. Trop cool, goodbye. Ah, y'a un match ce soir. J'ai pas suivi. Hop. Oui, c'est exact. L'océan est mon ami. Eh bah tant mieux, ma grande. Tant mieux, tant mieux. Oh, tu peux regarder Mermaid. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais mes mangas sont souvent de l'occasion. Ah oui, d'accord. Ah, ils vendent aussi des mangas sur la bourse libre. Ça, c'est intéressant. Et du coup, j'ai pas vendu mes trucs, moi, avant de récupérer. Ça, ça dégage. Ça aussi. Les fleurs là-haut, je voulais les virer. Ça, hop. Bon, ça, j'en ai peut-être besoin. Et ça aussi. Et poisson, faut que j'en vende un peu. Donc, on va vendre ça et ça. En soi, en général, c'est pas ce qui manque. Oh, c'est chouette. Hop. Et yes, ça valide. Enfin! Et là, il va y en avoir un autre. Ah non, j'ai cru, j'avoue. Efface les traces de l'oubli. Bon, ça va.
On va repasser, récupérer l'aspirateur. Ça sera beaucoup plus facile. Demi-finale de l'Euro ce soir. Ah, oula. Et y'a qui joue? Non, j'ai pas parlé à Vaiana, mais je l'ai pas vue. Moi, de toute façon, je vais tomber dessus après. Ah, bah, elle est dans le coin, attends. Elle est dans le coin, poupette. Ou c'était pas elle? Ah, si, c'est elle. Elle est cachée derrière les... derrière les manèges. Ça, c'est une journée pour naviguer. Coucou. France-Espagne. Ouh. Est-ce que tu vas faire du bateau, Vaiana, aujourd'hui? Parfait, elle est contente, moi aussi. Hein. Hop là. On va quand même faire un petit peu ça. Même si j'ai plus la quête. En fait, je garde la quête de Mulan affichée. Parce que bon. Chevalier de la Bourse Olive, il y a aussi Rossi Livre, Momox, Animal Read, Animbooks. Waouh, ça fait beaucoup de trucs. J'avoue, Jachana, ça fait beaucoup de refs. Et tant qu'à faire, on va récupérer les deux ici. On va récupérer ça. J'ai vu... Alors attends, où est-ce qu'il y en avait? Ouais, ici il y en a. Il nous faut des racines. Il nous manque plus que 3 basiliques, je pense qu'on pourra les avoir aujourd'hui. Et les truites. Putain, 10. Après, je crois que les truites, ça va. Je crois que c'est pas le plus relou. Truites, c'est truites arc-en-ciel, du coup. Coucou, Newa. Ah, il y en a 10, c'est bien ça. Un souvenir supplémentaire, on prend. Hop. Oui, ok, c'est la même chose. Attends, du coup. On a dit quoi? Forêt, prairie et oasis. Donc forêt ou prairie ici. On va aller dans la forêt. Je crois qu'il y a des trucs. Ah, il y en a là aussi. Mais alors, attends. Hop. Maintenant que je suis là, j'ai un truc à te montrer, Matibou. La dernière fois, tu trouvais que la maison de Figaro était inutile. Maintenant, place là et interagis avec. Tu vas aimer. Oula. Ah, on a gagné le pantalon en lycra. Ah, il est monté vite, hein. Donc vraiment, je suis pas fan du pantalon. C'est un délire, hein. Hop, hop. Faut placer la petite maison, ok. Il y en a 7, c'est bien. J'en suis à combien? 22 sur 35. La maison de Figaro est associée à la maison de Mini. Ouais, c'est vrai. En même temps, Figaro, c'est le chat de Mini à la base, il me semble. Par contre, c'est hyper lent ou c'est moi? Ah, quand même. On se traîne, là, guys. Allez! Ah bah, suffisait que je râle. On va se mettre là. Donc, on va repasser ici. Je pense que les 3 basiliques, on réussira à les avoir aujourd'hui, hein. Je serais étonnée que ce soit pas le cas. Elle a du mal à monter. Ouais, grave. Une journée parfaite pour un pique-nique. La maison de Figaro. Il faut que je la retrouve. Ça va ici? Non. C'est rangé dans quoi?
souris qui bloque. D'hiver peut-être. Ah ouais, mais ça va être un peu infernal à retrouver là. Hop. Je sais même pas si c'est là-dedans. Ah, peut-être que je peux chercher Figaro. Ah oui, mais attends. Figaro, ils l'ont rangé dans Pinocchio ou ils l'ont rangé dans Mickey et ses amis? Mickey et ses amis. Waouh, mais regarde ça, c'est une villa, le bordel. En vrai, elle va bien à côté de la maison de Daisy aussi. Vas-y, on va le mettre là. Sélectionne jusqu'à 4 compagnons. Ok. Je crois qu'on a trouvé un héros. Ah, j'en ai beaucoup, hein. Un rigolo. On va prendre lui. Ok. Ah, et ils font leur vie dehors? Oh, c'est mignon, j'avoue. J'avoue, c'est mignon. J'avoue. J'avoue, c'est cute. La maison n'est pas belle, mais le concept est mims. Le concept est très mims. Alors, où est mon aspirateur? Il est là. Je prends mes racines. Ah, et je vais prendre l'ail aussi. Sinon, j'ai pas forcément l'utilité. Je vais aller voir Merlin. Sa maison. Et maintenant que je suis là aussi, je te rappelle Château des Rêves, Maison Merlin, Mickey, Dingo et les Royaumes Wally, Vaiana et Rémi. Ouais, t'inquiète, les choupes me l'ont rappelé, Samo. Ils ont été efficaces. Mais là, il n'y a pas. Hop. Ils ont été... J'en ai déjà chopé un petit peu en me connectant tout à l'heure. Hop. C'est moi ou la caméra est over lente maintenant pour se déplacer? Ça me post-it. C'est ça. Quoique je dis... Je sais pas s'il y a des trucs ici. Hein. J'ai pas l'impression. Bon, au cas où je le mets quand même pour faire le tour, mais... J'ai pas l'impression. Non, il y en a pas. Est-ce qu'il y a une zone que j'ai pas encore exploitée? Ouais, je crois. Ah, là, il y en a. Ah, l'event finit mercredi prochain pour les souvenirs. Ah oui. Et effectivement... En tout cas, je vais passer là pour repasser chez Mickey Dingo. Coucou, Manini! Comment va, Manini? Tu es toujours le bienvenu dans mon restaurant. L'autre, il dit t'es toujours le bienvenu. Bah, en même temps, c'est chez moi. Il n'y a pas de nouveau. Ah non, c'est dans 3 minutes, c'est dans 3 minutes, j'étais un peu en avance. La lenteur chez Thibaut, c'est censé être une révolution avec la mage, sauf que tout le monde se plaint. Ah bah, ah ouais? Mais c'était plus rapide avant. Ça va mieux après une bonne nuit de sommeil et toi? Bon, moi, le sommeil... c'est surfait, Nini, c'est surfait. Pourquoi dormir, je veux dire? Hein? Pourquoi les moustiques? Hop. Yes, c'est good. Ça, c'est good. Il faut que je pêche de la brème et des truites. Et bah, let's go. Alors, attends, j'ai déjà oublié où c'était. Prairie, forêt. Et brème. Prairie. Et ben, on va rester dans la prairie, hein.
Tiens, bah attends, c'est quoi? Attends, j'ai une idée. On va pêcher dans la prairie à balle, les enfants. Et comme ça, on va essayer de choper le basilic quand il y en aura. Vu qu'on risque d'y passer une petite heure. La joie des poissons. Ah, je vais passer. Attends, je vais juste faire un petit tour avant chez Mickey. Ah bon, on va attendre 11 heures. Au cas où, si leur pile joue. J'avais mon fils malade toute la nuit de dimanche à lundi, j'ai dormi par terre. Alors ouais, là, le lit, c'est une révolution. Putain, tu m'étonnes. C'est Bonnie. Tu es une maman dévouée. Le fait de te voir me fait penser à toi, logique, hein. Et du coup, je réalise que j'ai deux vidéos d'AS de retard, que j'ai toujours pas rattrapé les lives manqués quand j'étais en vacances. J'arrive plus à suivre. Et tu sais qu'en plus, hier, j'étais en mode, oh, je sors pas de vidéo là, ça va faire un trou et tout. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends que là, ça fait beaucoup. Hein. Surtout que ce que t'as à rattraper, c'est pas court, quoi. C'est... Y'a du contenu. Y'a du contenu. Alors, passe mytho. Ok, Lauriane. C'est rassurant. Au moins, là, tu vois, l'avantage, c'est qu'on a deux objectifs dans la même zone. Donc ça, c'est quand même cool. Moi, je suis un an de retard dans le contenu de Disney. Ah ouais, mais ça, c'est vrai que ceux qui découvrent en route... C'est... J'ai commencé d'ailleurs à me plaindre pour les manèges qui marchent pas. Ils croient vraiment que je vais me taire tous les têtes. Je crois que tu t'étais déjà plaint, Samo. Il me manque une vidéo de AS. Mais oui, je fais la même tête devant ma pal que devant ton contenu que j'ai en retard. Bah AS, là, dites-vous, en plus, la vidéo de dimanche qui arrive, elle va faire dans les 45 minutes aussi. Hein. En gros, le dernier épisode, je l'ai coupé en deux. Pas en trois. Et là, je m'énerve. Autant la vidéo de dimanche dernier, ça allait. Franchement, c'était cool. C'est un peu une bonne ambiance et tout. Il y a du gossip, c'est sympa. Autant là, dimanche, je vous allais rire. En plus, c'est un énervement. C'est pas un énervement genre comme avec Zai Zai, tu sais, ou des sujets vraiment importants, etc. Là, c'est un gars qui me casse les couilles. Donc du coup, je l'envoie juste chier. Et j'avoue, c'est drôle. J'avoue, c'est drôle. J'ai une vidéo en retard avec tous les repas de famille. Ah bah oui, tu me... Ça va, une vidéo, c'est rien, Wattwatt. Mais oui, c'est parce que Wattwatt me fait des retours en même temps. Quand elle les fait. Je me doute de qui c'est. Eh, ça allait hyper vite pour la brème. Si ça pouvait être ça à chaque fois. Et raye quelques points de ta liste de tâches. Va te faire foutre le jeu. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Du coup, il me faut 7 truites, par contre. C'est un peu plus long. Mais bon, ça reste des ronds blancs, ça va. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu les votes qu'ils ont mis hier, mais je crois qu'ils spoilent certains persos qui vont venir, et parmi lesquels il y a Meg. Mais non ! Oh, ça serait incroyable qu'il y ait Meg dans le jeu. Mais non, j'ai pas du tout vu le truc. Allez, j'ai littéralement tous les épisodes à regarder, j'ai plein de retard dans les updates et book. Oh là. Au bout d'un moment... En fait, il faudrait que j'arrête de sortir des vidéos et de faire des streams pendant un temps, hein. Histoire que vous rattrapiez tout, c'est ça? Je pars en vacances un mois, je sors rien, et vous rattrapez. Non, les streams. Et Choup, je pense que le mieux, c'est qu'on pose des congés, sans rattraper tout ça, et se remettre à niveau. Ah bah oui, bah, tu penses. De toute façon, dans l'idée, j'aimerais sortir moins de vidéos plus tard. En fait, le truc, c'est que depuis que j'ai augmenté mes durées de stream, j'ai beaucoup de mal à suivre mes sorties de vidéos. Parce que avant, je faisais des streams d'une heure et demie, donc ça allait, tu vois. Là, je fais des streams de 3 heures minimum. Je t'avoue que tourner et monter pour 3 vidéos dans la semaine en plus, c'est compliqué. C'est compliqué. On va pas se mentir. Surtout pas, je suis à jour. Ah merde, ah oui, Scarlett, ah bah oui. Je suis à jour. Ah, il y en a qui sont à jour, hein. Il y en a, hein. Les irréductibles. Rassurez-vous, franchement, en vrai, même pas à jour. Bon, dans Amour Sucré, il faut être à jour pour suivre l'histoire, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, le reste, tout est indépendant, quoi. Putain, je viens de voir le papillon, j'ai failli courir pour l'attraper. Mais vraiment, Genshin, au secours, hein. La dernière fois, je voulais rattraper quand tu partais en vacances, mais moi aussi, je partais. Ah, merde.
Moi aussi je suis à jour. Ouais, franchement. Après, ceux à jour regardent peut-être pas forcément tout, hein. Parce qu'il y a le contenu sur les livres, il y a les streams, il y a l'amour sucré, enfin il y a beaucoup de choses quand même. Donc. C'est mon papa, j'ai eu mon papa au téléphone hier. Et il me raconte ses vacances, ses machins et tout. Puis il me fait, ça va YouTube? Je fais, oui, ça va. Il fait, oui, je vois tes vidéos parce qu'il est abonné. Il fait, ouais, j'ai les petits messages qui s'affichent pour dire que t'as sorti une vidéo, mais c'est long, hein. Il fait, ouais, j'ai vu que tu parlais de livres et il y a un truc avec des dessins, donc je suppose que c'est Amour Sucré. C'est trop mignon. Vraiment, j'étais en mode, oui, non, mais t'inquiète pas, t'es pas obligé de regarder, pas, t'inquiète. Surtout qu'en plus, lui, les livres, ils sont tamponnent le coquillard allègrement, tu vois. Et je lui ai dit que je faisais des streams, hein, il était un peu perdu, hein, j'avoue que... Ah bah oui, je comprends ça, Mou. En vrai, tu peux, je pense que tu dois être une des rares où c'est carrément la commu qui n'arrive pas à suivre le rythme. Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, ça fait aussi partie pour moi au niveau de mon bien-être et tout. Ce serait bien que je rarifie. Yeah. Et franchement, je crois que c'est la première fois que les trucs de pêche, ça n'a pas été une tannée. Ah, il me faut Vanellope. Hop. Ouais, je viens de voir, il y a déjà 34 vidéos AS. Rattraper, ça va être drôle. Mais surtout qu'elles sont pas courtes, hein. Content de te voir. Merci Mouchou. Franchement, on a bien fait de prendre Mouchou. On a gagné 5 niveaux avec lui. Et rien à redire. Très cool. Bon, ça, on va le péter. C'est devant. Non, quoique. Non, ça se contourne. Allez, je suis à jour au moins. Je suis la princesse absolue du confort. Viens avec moi. Faut qu'on passe 30 minutes ensemble, ma cocotte. Moi j'ai tout regardé. Ah, c'est beau. Je suis toquée, je veux tout voir. C'est vrai que je fais un paquet de trucs quand même. Alors, du coup, il faut qu'on passe 30 minutes avec Vanellope. Ça attendra la prochaine fois. Ça, on devrait pouvoir le boucler. Enfin, je voulais voir chez Rémi, justement. L'event est facile à skip, les gens ont bouclé en 4 jours et j'ai toujours pas commencé. L'event. Ah, ce que je fais là? Ah, bah tant mieux. Tout vu, au moins je suis à jour. Ça va et toi, Gabi? Coucou Aurélie, comment tu vas, ma douce? Alors, ça veut bouffer tout ça, c'est très bien. Donc, alors, salade copieuse, gazpacho. Tu vois, j'ai bien fait de pas me précipiter pour faire les plats à 4 étoiles. Au final, en servant au resto, comme ça, je gagne du pognon en même temps. Salade copieuse. Oula, les salades, j'ai plus de stock. Je venais lui faire bouffer ses foutus brochets quand je les aurais. Pour revenir à ton idée de partir un mois, sachez que des gens le font comme McFly et Carlito par exemple. En général, ils font ça de ne pas poster sur aucun réseau pendant une partie des vacances d'été pour profiter de leur famille. Carlito l'a dit dans son stream d'hier. Et je comprends. Et je comprends. Après, pour le coup, moi, ça m'emmerderait plus qu'autre chose actuellement de le faire. Donc, je vais pas le faire pour le faire, tu vois. Mais ils ont raison, hein. Là où il faudrait, voilà, c'est que j'arrive à tabler sur me faire des jours off. Ça serait bien quand même. Hop. Ah, j'ai pas vu la boutique encore, ça me fait penser. Apporte une petite sirène, ses cadeaux préférés. Ok, donc on pourra pas le boucler aujourd'hui non plus. Et il nous reste ça. Très bien. Hop. Je suis contente que tu sois là. Ah, moi aussi. Oui, je l'ai eu, Samo, je l'ai eu. Je viens de compter en boucle, j'ai 10. En boucle et update, j'ai 17 vidéos de retard. Ne rattrape pas. En vrai, c'est trop long. Paella de Cavallo, c'est biscuits aux pépites de chocolat. C'est trop long. 17. C'est des vidéos qui durent 45 minutes. En vrai, à la limite, en vrai, les boucles, c'est pas important.
Les boucles, je les fais pour le fun, c'est pour voir un peu ce qui rentre dans ma bibliothèque, etc. Ça me fait kiffer. Mais quitte à choisir, regarde les updates. Parce que les updates, au moins, t'as les retours sur les livres et tu peux augmenter ta wishlist et tout, tu vois. Book haul, c'est pas aussi utile. C'est quoi, c'était biscuit aux pépites de chocolat. Book haul, c'est fun à suivre si t'as le temps, tu regardes, tu vois. Oh bah non, c'est bien quand tu fais des trucs pour te poser, t'en mets une de temps en temps, c'est cool. Je dis pas que c'est des vidéos nulles, mais disons que à rattraper, si t'as 17 vidéos à rattraper, c'est pas utile de rattraper les book haul, tu vois. Ah oui, Shani. C'est vrai qu'il y a les vidéos sur T-Booking aussi. Les motos, est-ce que sur Discord, il existe des calendriers des activités T-Book? Non. Faudrait qu'on le fasse. Alors, on faisait un planning à un moment, mais en fait, comme je me décide un peu au dernier moment, le planning servait plus pour les animations à l'époque. Mais pour mes activités, genre, je stream tous les jours, mais je décide le matin quand, tu vois. Oh, elle est bien. Oui. Quand je t'ai connu, j'ai tout regardé, book haul et update. La vache, ça fait beaucoup. Hein. Il nous manque plus qu'un plat. Putain, y'a personne. Ah, le seum pour un plat. Vas-y, on va le faire pour nous. Hein. On va le faire pour nous, on va pas s'enquiquiner. Un truc 4 étoiles. Qui soit pas trop chiant. Ça, c'est chiant. Je cherche un truc où il n'y a pas de... Voilà, ça c'est bien. J'avais oublié T-Booking, j'ai aussi du retard. Après, la différence entre toi, McFly, il y a deux enfants et Carlito 3, donc l'équilibre familial n'est pas tout à fait le même que le tien, donc chacun prend du temps pour soi et ses proches comme il peut ou il veut. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et puis après, t'as des streamers qui streament tous les jours, même s'ils ont des enfants, mais par exemple, ils streament le soir quand les enfants ils dorment. Enfin, tu vois, t'as... Chacun équilibre comme il veut, hein. Purée, les updates, pour le coup, ce sont vraiment les vidéos où j'ai jamais de retard. Je fais une priorité de ma vie, quitte à prendre du retard dans ce que j'ai à faire. MDR, je les ai même vues plusieurs fois pour les plus anciens. Bon, après, il faut dire que j'ai un côté, disons, à tantinette, ok. J'ai oublié T-Booking, j'ai aussi du retard. Et encore, T-Booking, là, ça fait un moment que j'ai pas sorti. Hein. Ah, et revoilà, encore. Prépare un dîner 4 étoiles. Rebelote. Alors, attends. Mince, c'est là. Du coup, les cadeaux de la petite sirène. Qu'est-ce qu'elle veut, poulette? Parce que si elle veut un plat, tant qu'à faire. Un poulet épicé, une pérennite et des capucines rouges. Alors, poulet épicé, est-ce que j'ai la ref? Quand je lis un livre que t'as lu, je regarde direct l'update avec ton avis dessus. Oh, c'est trop cool! Je sais pas si j'ai le truc. Non. Est-ce que vous avez la recette du poulet épicé par hasard? D'ailleurs, je suis pareil. Je suppose qu'il faut de la viande. Ça va, j'en ai acheté la dernière fois. Perso, moi ayant commencé les vidéos de Thibaut en 2017 avec des boosters Pokémon, voir qu'à l'époque elles faisaient des allusions à Amour Sucré en mode vous inquiétez pas, il y aura Amour Sucré, vous pouvez être tranquille. En même temps, je vais regarder Madame Bovary comme je l'ai encore jamais vu, c'est sorti. Ah oui, c'est vrai! Parce que j'avais fait une lecture de Madame Bovary sur la chaîne T-Booking en livre audio, en mode livre audio. J'avais lu toute l'œuvre. Oh. J'ai déjà oublié le nom de ce que je cherchais. Poulet. Merde, je vais chercher. J'ai oublié. Poulet épicé. Ah bah parfait. Une volaille, une épice au choix, un oignon, un ail. Hop. Merci beaucoup Ingrid. Alors, une volaille. Une épice au choix. Du gingembre. Un ail et un oignon. Sauras, j'ai où les oignons? Non.
Mince. Ah, oh, je fais des bêtises. Je suis partie chercher sur l'appli, mais j'ai oublié le nom du plat. Je sais pas. Installe-la. Tu sais que j'ai parlé de toi tout à l'heure, justement, Samo. Ah, ils sont là, voilà. Je trouvais pas l'onglet légumes. Ouais. Ça fait un plat 4 étoiles en plus, écoute. Hein. Donc, Ariel, elle voulait ça. Une pérennite et une capucine rouge. On va aller le récupérer à la maison. Ah oui, Samo, les gens demandaient le nom de l'appli tout à l'heure. Pérennite, je sais même pas si j'en ai encore. Hein. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Oh si, j'en ai 9. Tout va bien. Et tant qu'à faire, attends, quitte à être là. Ah non, ça va là, ça va là. Kaneto le disait dans un de ses streams qu'en général il stream en journée quand il peut car les enfants sont à l'école sauf le dernier qui a un an pour pouvoir passer ses soirées en famille et je comprends tout à fait son point de vue. Ah mais de ouf. Ah mais de ouf. Je comprends fort aussi. Bah déjà moi j'essaie de streamer pour être avec Kim le soir. Donc alors après il y a des soirées où il geek et du coup je geek aussi tu vois mais de manière générale. J'essaie de m'organiser de cette manière là. Donc je comprends fort que... Je comprends fort leur gars, hein. C'est pour ça que je fais des streams aussi à des heures genre en pleine après-midi et tout. Je sais bien que ça arrange pas et qu'il y aurait plus de monde si je le faisais le soir. Ah, c'est ça que je voulais récupérer, voilà, qui sont rangés ailleurs. Mais bah, pour ma vie de couple, j'aime autant, tu vois. Oui, c'est à moi parce que j'aime bien la musique. Et des capucines rouges. Hop là. Et est-ce que je vais ranger ça? Bah, tu sais, ça, je vais ranger ça tout de suite. Oh si, Gabi, je ferai sans doute un stream pour mon anniversaire. J'ai rien de prévu cette année pour mon anniversaire particulier. Donc je le ferai sans doute avec vous. Ça. Oui. Ça. Oui. Ça. Oui, mon stock, il a baissé fort, hein. Hop, il y en a faute 2, c'est pas très grave. Ça, oui, ça m'étonnait. Ah si, j'ai un peu plus, bon, c'est pas grave. Et les crabes, je suis max. Enfin, max. Le sable. Peut-être un autre stream 8h pour le 8 août. Oh, je suis pas sûre, non. Non, non. Du temps avec vous, oui. Parce que ça serait soyeux. Mais le but, c'est pas que je sois éclatée de fatigue. Que je me repose aussi. L'ail. Hop. Tu pars en vacances avec tes amis cette année comme d'habitude ou pas si c'est pas indiscret? Non. En gros avec les amis de Paris, on se voit, enfin on part en vacances, oui. Enfin, on va se voir en septembre pour le mariage d'un d'entre nous. Enfin de deux d'entre nous du coup, d'un couple. Donc en gros le moment entre nous sera à ce moment-là. Et avec mes amis Modo, on n'a pas organisé cette année. Oui, je pense que c'est un peu tard maintenant. Mais exactement, Majajana. Au fait, Thibaut, t'as combien de tu as combien pour le pourcentage d'avancée dans la vallée? Tu peux voir ça dans les trucs de collection. Je suis à 76%. En sachant qu'à mon avis, ce qui me plombe le plus, c'est les plats et les animaux. Oui, bah oui, voilà. Et les souvenirs, forcément. Forcément. Mais c'est vrai que on n'a pas organisé du coup les modos à la maison en août comme on fait d'habitude. Je voulais te demander si je devais prendre des billets. Bah je sais pas si, si on fait un truc quand même. Je me dis c'est un peu tard là. Si on veut organiser. Parce qu'on est quand même en juillet. Donc bon. Ah oui, du coup Ariel. On peut peut-être faire un sondage en vrai. Je sais pas, en fait j'avais pas organisé avant parce que je savais pas trop si je voulais. Comme cette année, c'est un anniversaire qui risque de me faire un peu plus bizarre que d'habitude. Je savais pas trop si j'avais envie de faire un truc. C'est même très tard. Oui, oh, tu sais. Le tardif, qu'est-ce que le tardif?
ce sera pour octobre sinon. Oui, c'est ça, Kiki, c'était avant. Bah après, même si, si tout le monde peut pas venir, c'est pas grave, hein, on peut faire un petit comité, hein, si jamais. Je récupère un petit peu de bouffe. Péridot, je sais plus quelle couleur c'est, je sais pas si c'est pas le vert, au cas où, je pense à elle. C'est vrai qu'on avait fait un sondage, mais c'était il y a... Bah justement, avant. Mais ouais, comme cette année, c'était un anniversaire un peu... J'avais quand même fait un sondage avec l'équipe pour voir un petit peu les dispos et tout, mais comme j'étais pas sûre moi-même... De toute façon, pour rappel, août, c'est toujours loin. Oui, Samo, c'est vrai, c'est vrai. Programme de Thibaut, son anniversaire, lecture, travail, stream, lecture jusqu'à dodo. C'est un bon programme. Ah, elle me donne des trucs, c'est sympa. Sympa, Vanellope. Qu'est-ce que je fous là? J'étais venue pour quelque chose. La petite sirène. Mais est-ce qu'elle est là? Je suis en fait... Ah oui, bah oui, elle est chez elle. Non mais tout va bien, je... Hop. J'ai eu un doute. Bah si toi t'as envie de faire un sondage, mais ne te force pas si tu veux passer du temps de ton côté. Oui. Non mais en vrai, ça me ferait plaisir de vous voir. C'est surtout qu'on sache assez vite pour voir si on peut venir. Bah oui, tu penses. Wow, le sable a l'air chaud. Voici un petit cadeau, Ariel. Une pérennite. Et c'est pour quand, Rimoucha? Des capucines rouges. Et du poulet épicé. Nickel. Donc, alors, on le boucle pas aujourd'hui, du coup, celui d'Ariel, mais ça veut dire que la prochaine fois, il suffira de lui donner un dernier truc et on sera bouclé. Ça, on devrait le finir aujourd'hui. Ça, c'est coincé pour la semaine pro. Ça, je sais pas si j'ai la foi... Ouais, ou alors je mets un truc au resto, enfin dans mon... Ouais, on va peut-être le faire, allez, on le met dans la maison, tu sais. Après, on est début juillet, ça va. Oui. Après, Kiki, t'es à côté, ça va être... Je travaille jusqu'à fin août, ça va être chaud, mais je vais tout donner. Ça me dit toujours que les persos doubles récoltent, genre pierre, légumes et tout, à partir du néant, quand même. Oui, c'est vrai, c'est le pouvoir de l'amour. C'est pour ça. Petite question, la prochaine demande d'avoir des nouveaux modos, ce sera quand environ? Oh, aucune idée. C'est pas défini encore. On va récupérer un peu de tomates, on en a besoin. Là. Pour le moment, là, l'équipe, elle marche bien. Après, il va y avoir la rentrée. Et il faudra voir à la rentrée si on n'a pas certains qui partent. Parce que... bah, tu sais, qui dit rentrée dit nouveau rythme, etc. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont des gros changements qui arrivent. Et dans ces cas-là, bah, mieux vaut se focus sur ce qu'ils font, tu vois. C'est normal. Mais de manière générale, l'équipe est hyper harmonieuse ces derniers temps, je trouve. Et c'est très agréable. Si je dois venir d'Espagne, faut que je prenne assez vite. Oui, tu m'étonnes. J'ai hâte d'être, 21... Ah oui, Rimoucha. Ah oui. Ah oui. Il faut déjà qu'on passe modo officiellement. Oui, c'est vrai, Aurélie. Mais en fait, c'était drôle parce que du coup, les bilans... je suis en train de finir les retours. On va passer ça quand même. Hop. Et c'est marrant parce que il y en a certaines qui sont en mode oui mais je suis pas encore sûre de vous d'être capable de passer de modo. Je trouve ça très chou. C'est vrai qu'on a encore les apprentis. Bah ouais. Après en vrai là elle commence à bien connaître. Hein. Je pense que peut-être pour la rentrée on les passera grandes. Moi, par exemple, je suis bien en apprenti. Ouais, voilà, Doudou, elle faisait partie des personnes qui me l'ont dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15. Donc, on va en prendre 12. 12, peut-être, sucre. Comment ça va? Hop. Oh. Et 3 maïs. Hop. J'ai hâte de te voir avec le Dream Snap, j'ai vraiment galéré pour qu'au final je copie sur une pauvre dame sur Insta, mais en même temps elle a 4000 points à chaque fois, alors bon, c'est comme si la première de la classe, ça me tente de... Oui, bah oui, Samo, tu penses. Y'a pas de quoi être fier, va, trichouilleur.
Mais du coup, j'imagine que chaque rôle a sa responsabilité. Non, même pas. En fait, en vrai, Doudou, je pense que si elle se sent bien en apprenti, c'est que il y a ce côté où du coup, ça la sécurise en mode, ok, c'est qu'on compte pas trop sur moi encore, mais elle fait déjà les mêmes choses. Enfin, c'est les mêmes choses qu'Atmodo, hein. C'est juste que t'es encore en apprentissage, en fait, techniquement, officiellement. Il y a un peu le côté genre, oh, ça va, je suis pas encore dans le grand bain. Mais du coup, peut-être qu'il y aura un recrutement peu de temps après la rentrée. En fonction du nombre de départs qu'on a pour justement bah, pour la rentrée, pour ceux qui doivent faire face au nouveau rythme, etc. On avisera à ce moment-là. Après, comme il y a beaucoup moins de choses à faire maintenant qu'avant... ça rend les choses plus simples aussi. On n'a pas besoin d'être 200 000 non plus, quoi. C'est juste que je peux faire des bêtises et on m'en veut pas trop. Oh, tu fais pas de bêtises, ma doudou. Doudou, c'est le petit rayon de soleil qui sait pas qui brille. Mais elle est là quand même. Ah, bah, une aigle marine, c'est pas... Ah non, mais ça compte pas. Mais est-ce que c'est une brillante? Donnez-moi des trucs, wesh. Après, quand vous passerez en modo, vous inquiétez pas, vous pourrez toujours poser des questions. Ah bah oui, bah voilà, exactement, il y a des... Ah bah voilà, là j'ai eu... Il y a des modos qui en posent, hein, c'est pas parce que tu passes modo que tu dois te rappeler de tout H24, hein, ça change rien. Tchac, bon allez, ça on va le faire. On va faire les 9 plats et récupérer le basilic. Il est où mon aspirateur? Je l'avais pas mis là? Ah si. Allez, dis-moi, il y en a 3. Il y en a un? Eh ben, on va pas s'étouffer, hein. Hop. Non, Samo, non. Je vais pas craquer. Le fait qu'il y ait moins de choses à faire, je trouve que ça nous permet d'être un peu partout, même avec nos dons. Ouais, de ouf. Petite mule. Donc il m'en faut 10. Prépare un dîner 4 étoiles, c'est n'importe quel plat. Bah t'as bien raison, Lydia Armo. Oui, ça tombe, c'est vrai. Parce que du coup, si c'est n'importe quel plat... Je pense que je vais prendre la ratatouille. Bah, c'est pas du 5 étoiles. Enfin, du 5 étoiles, ça marche aussi normalement. Mais... Ah bah non, sinon je... Ah, il y a du beurre. Du fromage. Est-ce qu'il y a un plat 4 étoiles qui me demande pas un truc qui coûte un rein, en fait? Est-ce que c'est possible? Je crois pas. Non. Dîner, c'est n'importe quel plat. 4 étoiles ou plus? Voilà. Ça va prendre 10 000 ans, mais c'est pas grave parce qu'on a le Dream Snap à faire et l'autre plus à faire aussi, donc... Oui, Samo, mais faut attendre que ça revienne, c'est tout. La fameuse ratatouille, ah bah la base, hein. Ok, donc ça, c'est en cours. Ça, c'est fait, je peux rien faire de plus. Ça, c'est en cours. Et bah écoute, à part si on a quelques tâches qui sautent aux yeux... Non, c'est des trucs casse-couilles. On va peut-être changer de monde pour faire ça, si j'ai la foi. Mais sinon, on va faire Dream Snap en attendant. Ça me semble plus smart. Alors, défi décor. L'ouverture et la création de ta propre galerie d'art. Dreamlight est officiellement proposé. Réalise une collection de peintures, de sculptures, de meubles et de décorations qui fera pâlir d'envie les critiques d'art de la vallée. Eh bien, let's go. Hop. Je crois pas que j'ai déjà une pièce qui puisse faire office. Il y a mon tableau là, j'avais oublié. Non. Mais chaton, t'as raison, maquille-toi pour toi.
Il était trop compliqué le snap de cette semaine. Oui, c'est vrai que le thème... Je pense que je dois refaire une autre pièce. Hein. Ah oui, ma pièce futuriste, elle est trop belle, elle, j'aime trop. Science-fiction. Là, c'est ma chambre, mais ça colle pas. Et là, je crois que c'est la salle de bain. Hein. Ouais. Très très belle salle de bain, mais ça colle pas non plus. Zoup zoup zoup. Ça, c'était la petite pièce princess. Est-ce que je la remets à zéro? Et là, j'ai quoi? Ah bah là, elle est vide. Bon, on va essayer de partir là-dessus déjà. Aujourd'hui, j'aurai le thème du snap de nos mains. Normalement, les liqueurs sont vraiment à fond dans le jeu. Tu sais que genre, ils savent ce qu'il y aura dans le shop et pas que les trucs qui étaient là plus de deux fois, ils peuvent pas. Et du coup, ils ont carrément fait un tableau pour étudier les probas. C'est grave pour moi. Putain, Samo, mais tu devrais faire ça, hein. C'est ta bande de meilleurs amis, en fait. Alors, meubles. Voyons voir Dream Snap, qu'est-ce que vous me proposez? Carrelage. Non. Alors, fenêtre, oui. Tout ce qui va. On va sortir déjà tout ce qui va au mur, un petit peu. Hein. Tout ce qui est un petit peu sculpture, machin. Pourquoi pas pour le lustre? Ça peut avoir un charme. Fontaine et baldaquin, certainement pas. Une harpe. Cloche de service, pourquoi pas? Ça peut faire objet de musée. Non, ça va pas. Ça va pas. Bannière, porte-manteau. Table ronde, ouais. Peut-être si on met un truc dessus. Un petit banc, ça fait bien musée. Table de chevet, pareil, pour mettre un truc dessus. Candélabre, pourquoi pas. Là, je sors ce qui fait élégant, hein. Paravent, ça peut le faire. Un orgue. Parce qu'un orgue, ça fait musée. Non. Enfin, ça peut, mais... Rosace. Ouais, mais là, ça fait église. Là, on est pas dans une église. On cherche un musée. On est pas... Ah bah, c'est celle de tout à l'heure. Tiens, celle-là. Bien sûr, tu vas faire une nouvelle salle, Thibaut. T'allais vraiment te servir d'un truc fait d'office. Je rêve... Bah, pourquoi pas? Si j'avais un truc qui correspondait. Faut pas se priver, hein. Genre par exemple, si à un moment t'as à nouveau un thème SF, j'aurais tort de me priver, hein. Miroir. Bon, miroir, c'est pas trop tableau. Normalement, j'ai d'autres... je crois que j'en ai des tableaux, mais... Miroir à fleurs, pourquoi pas? Faut voir. Déjà, j'ai vu que j'en avais dans l'autre pièce. Donc au pire, j'irai récupérer ceux de l'autre pièce, surtout qu'ils apportaient pas spécialement quelque chose. Non, ça fait pas musée du tout. Il y a un truc un peu goldé. Il y a un truc. Tapis, pourquoi pas. Ah, voilà. Un tableau, très bien. Ça en vise. Les statues, pourquoi pas. En vrai, il y a moyen de faire un beau truc, je pense. Le thème de la pièce, ça va être pour le Dream Snap. De faire un... J'en ai que trois, c'est dommage. De faire un musée, en gros. Ça peut grave le faire. J'ai eu 900, ça vaut. Non. Celui que j'ai là est pas mal, hein. Le papier peint là, il est pas mal en vrai. Hein. Ça peut peut-être le faire. En mode, il est pas encore... On va mettre de côté. Vase, ouais, de ouf. Pourquoi pas. La carte du Magic Kingdom, ça fait pas très musée, mais bon. On met de côté. Étagère à souvenirs, de ouf. On va le laisser là-bas en attendant. Le masque, ouais.
Ouais. Peinture, très bien. Les peintures, c'est très très bien. C'est ça que je cherche. Après, je sais que j'en ai mis une autre dans la pièce d'avant. Donc en vrai... Non, je voulais pas faire ça. Ah, faut que je me retape tout. Seriously? Du coup, j'ai perdu le tableau. Ah, fait schmutz. Bon, attends. Attends. On va redescendre. Ah, mais ça va peut-être pas être dans le même ordre. Ah, attends. Non, c'était bien. Merdouille. Et il était là. Oh, ça va, j'en ai des tableaux. Moi, j'ai adoré le thème de cette semaine. Pour traditionnel, j'étais à 15 sur 5 et élégante 14 sur 6. Ah ouais. Bon, je pense que j'aurai pas besoin de récupérer le tableau dans l'autre pièce. À mon avis, j'aurai ce qu'il faut. Attends, j'ai la souris qui m'embête. Voilà. En vrai, on est déjà pas mal, là, hein. Il y a un tableau horriblement moche près du masque. Oui, alors c'est... Oui, non, mais il est pas... C'est pour dire, genre, en gros, il est en travaux, machin. Je dis pas que je vais le garder, hein. Ah, le plancher, là, est pas mal. Oh, putain, j'ai refait ma connerie. Là, le plancher est pas mal du tout. Faut que je redescende. Il y en a de la place dans cette pièce. Ça fait très musée. Ah, on est d'accord. Ah, il y a un autre truc. Oui, non, mais poster Mickey. Je vais essayer quand même de garder un truc un peu musée vintage. Non, ça va pas. Parce que tu peux faire un musée aussi art contemporain et tout, hein. Mais... hop. Voilà, j'ai déjà beaucoup de choses, là. Hein. On va pas se mentir. J'aimerais bien trouver des petites choses à poser sur mes tables basses. Qui fassent un petit peu vintage. Bonjour Nellys. Tiens, un tas de parchemins, pourquoi pas. Est-ce qu'il passe sur une table ou pas? Non. C'est très dommage. C'est très dommage. Par terre, ça va peut-être pas le faire. On va quand même le laisser dehors, mais... Il me faut quelque chose qui... Tu as des trucs... Ah, peut-être ça. Ah, ça passe dessus. Très bien. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir un truc... C'est un peu trop futuriste pour le thème général. Un truc qui puisse vraiment faire genre musée. Alors, ça pourrait, mais... En vrai, le thème est sympa, hein. Ça te fait rechercher des trucs, c'est vraiment marrant. Bon, après, c'est un peu long, forcément, mais... En fait, je trouve que l'intérieur, c'est beau, j'ai les items, grâce au fait que tu m'avais suggéré de faire l'event Halloween, je t'en suis reconnaissant, mais il faut prendre la photo d'un bel angle, et ça, je gère pas trop. Ah! Il me faudrait un petit dernier, j'ai encore une petite table qui est vide. Est-ce que j'ai un petit dernier truc qui peut passer Ça serait smart. Trophée. Non. Un petit dernier truc, allez, je vais bien avoir une illumination tardive. Oh, les livres, oui. Statue de dragon. Elle va pas dessus. Shit. Elle reste par terre. Je vais quand même la garder dehors. Je suis pas sûre de l'utiliser, mais ça peut le faire. Ajoute une fontaine, ce serait ouf. Dans la maison ? C'est pas très pratique quand même. Non. Non plus.
Un coin chambre royale. Il est beau le lit bonbon. En fait, c'est drôle parce que quand tu fais ça, tu redécouvres des choses. Alors, l'horloge engrenage pourrait être cool, mais j'ai pas de steampunk vraiment. Je vais la laisser dehors, mais. Je n'y crois pas. On peut mettre ça. La plante bizarre, là. Non, ça va pas. On est quasi au bout. Ah! Pas mal, ça. Alors, on change de style, mais... Merde, j'ai plus de place. Attends. Oups. Hop. Le sol, le papier peint. Par contre, il manque un mur. Faut que je retrouve le papier peint du départ. Attends, je vais le faire à la souris, parce que... C'était pas le premier, hein. C'est un musée, il y a une fontaine petite et trop mignonne, triée avec les events et fait celui de monstres et compagnie, tu verras. Ok, attends, je vais regarder, bouge pas. Je cherche juste... Mon mur... Ah, c'est lui, je crois. Ouais, c'est ça. Tant qu'à faire, autant faire les... Ok, alors, déjà là, tu m'as dit quoi du coup? Une fontaine petite et trop mignonne, très avec les events. Alors, events et monstres et compagnie. Alors, attends, filtre. Monstres et compagnie. Il devrait être trié par ordre alphabétique, ça aussi. Hein. Parce que vraiment... Ah, c'est bon. Et tu peux mettre event? Ah, attends. Attends, hop. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Je vais enlever le premier, attends. Je l'ai déjà placé. Ah, celle-là! C'est vrai que ça peut être mignon. C'est très phallique, mais... Bon, ok, je la garde dehors. Alors, attends, voyons voir. Déjà, là... Pff, là, j'ai une abondance de choses. Hein. Après, si je mets un tapis, je mets pas une fontaine. C'est déjà... Alors. La priorité, ça va être le fond. En vrai, je verrais bien... Est-ce que j'ai un trône? Même s'il compte pas dans l'event. Ou un fauteuil qui peut bien faire vintage. Ça serait hyper classe. Ah, j'ai le fauteuil de Gaston, enfin. Non, ça fait pas. Ça fait pas, ça fait pas, ça fait pas. Hein. Celui de Ursula. Si j'ai celui de Malef en bas, mais de toute façon il fait pas vieux. Peut-être j'aurais bien vu un gros truc emblématique au milieu, tu vois. J'ai des jolis trucs. Il y a des trucs que j'ai complètement oublié que je les avais. Hein. Faut dire en même temps, avec tout ce que je chope, forcément, c'est... Au bout d'un moment. Ouais, non, on va pas y avoir. La coiffeuse. Ça peut faire truc de musée, ça, en vrai. Parce qu'en gros, attends. Bon, le miroir, en vrai, je pense que le miroir, il va bouger. Attends, j'ai trop de choses. Mon espace est trop pris.
Hop. Tu l'as passé le trône d'Ursula. Ah ouais? Ah mais il a pas dû me sauter aux yeux alors. J'ai celui-là, mais il fait pas trop vintage. Le trône d'Ursula avait l'air magnifique. Merde, mais il est où? Pourquoi je l'ai pas vu? Attends, je regarde plus doucement. Lit, chaise suspendue. Rebaguette. Avec le fil de la petite sirène. Ouais, en fait, je me disais que... Oui, tu as peut-être raison, en vrai. On va peut-être faire ça. Hein. Ça serait peut-être plus efficace. Oh! Ça peut aller dans un musée, ça vous pensez? J'ai peur que ça fasse trop aquatique. Bon, on va voir. On le garde dehors. On le garde dehors. Ça, on va le mettre là. Ça, je le voyais bien, tu vois, genre de part et d'autre du truc. Ça, pourquoi pas ici. Bon, l'horloge, balèque, je pense, mais hop. Ici. Ça, on peut pas le monter? Non, il est forcément à ce niveau. Tu vois, genre un truc comme ça. Hop. Genre comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il me faudrait un autre truc à mettre au mur. Alors attends, peut-être ça. Ça, du coup, on va le virer, effectivement. J'aime bien le côté, genre, il y a un truc en œuvre d'art, enfin, de côté, mais c'est pas urgentissime. Ça, c'est pas mal. Tu vois, là, déjà, dans le fond, il y a un truc, quand même. On peut mettre ça, là. On verra après pour le bouger, hein. On verra. Ça, non, ça colle pas. Ça, je verrais bien. Genre, on va peut-être pas mettre celui-là. On va peut-être genre mettre lui. Qui fait un peu plus que eux. On va pas mal les voir, je pense. Dans le machin. Alors, attends. Ça va aller là. Toi, tu vas te décaler un peu. Ah, il y a ça aussi, oui. Alors, attends. Hop. 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 On place vite fait et on optimise après. Mais déjà, hop, un autre long. Après, on verra pas tout, hein. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est que là, je fais une pièce complète, mais il faudrait qu'on ait une vue qui permette de voir le plus possible. En vrai, entre le trône et le miroir, je vois le trône d'Ursula, le truc avec le miroir, c'est aucun rapport. J'ai pas compris. En vrai, entre le trône ou le miroir, je vote trône d'Ursula. Le truc avec le miroir, c'est... Ah oui, ça! Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Hop, là, on peut mettre ça ici. Avec le miroir, genre là. Non, peut-être pas le miroir, parce que le miroir, il fait un peu richou. On va plutôt mettre ça, par exemple. Genre là. Pas exactement au-dessus. C'est pas mal. Ah, c'est bien, Poupoudre. Je viens d'arriver, je me suis dit que c'est un musée. Ah, bah tant mieux, Lucifer. C'est qu'on est pas mal. Hop. Là, ça, on peut le mettre ici. Bon, on peut pas cadrer exactement comme j'aimerais cadrer, mais... Si on le monte un peu, ça donne quoi? C'est pas déconnant, le montant un peu. Comme ça, c'est pas exactement au même niveau que l'autre truc. Voilà. Ça, on va le monter aussi, du coup. C'est vrai que mes murs sont hauts. Hop. Et genre, en dessous, du coup, on peut mettre genre ça. Et
Il me manque un autre machin. Peut-être celui-là. C'est pas mal là, hein. Ça vaut. Tant mieux, tant mieux. Coucou, little girl. De l'autre côté. Alors, il faut se dire que de toute façon, sur la photo, on verra pas tout. Ça, je peux le mettre par terre. Bon, la fontaine. Je pense que la fontaine n'aura pas lieu d'être au final. Hein. Ça. Ici, c'est pas déconnant, hein, au-dessus du miroir goldé. C'est peut-être un peu trop près. Je mettrais bien le tapis. Alors, attends. Les torches, il n'y a pas forcément besoin. Mais ça peut faire genre les quatre coins du tapis. Faut pas foutre le feu par contre, hein, nous sommes d'accord. Ça, ça fait un peu un banc de musée, tu vois. On peut le mettre là. Je sais pas si j'ai spécialement besoin. On va le mettre de côté, on va le mettre de côté. Là, on décale ce qui n'est pas placé pour avoir une vision un peu plus aérée. Est-ce que je garde la lampe au niveau de la lumière? Peut-être je vais prendre un autre lustre. Celui-là est beau quand même. Ah, les torches derrière, tu penses? C'est vrai qu'on verra pas le fond de la salle. Hein. Ça va foutre le feu. Ça va foutre le feu à mon machin. Celui-là, je vais peut-être le décaler du coup, histoire de que la lumière soit jolie. En gros, mon bonhomme, il va être là, quoi. Mon bonhomme, il va être là. Donc ici, en gros, ça sert un peu à rien de mettre des trucs. Faut que je vois. Parce que ça, je l'aurais bien mis ici, genre au-dessus. Pourquoi il rentre pas? Ah, voilà. Voyons voir ce que ça donne avec, avec le perso dedans. Ah, ça me... Là, je suis pas sûre de la fontaine. Ce qui est con, c'est que là, j'ai toute une partie qui est pas visible. Alors, peut-être si je décale. Parce que là, en gros, attends. Si je fais une photo... Ça fait genre comme ça. Donc en vrai, si je vire la fontaine et qu'à la place... Ouais, je pense qu'il y aura la fontaine si jamais ça prend feu. Ok, je pense que j'ai une idée. Alors attends, ça, ça vire déjà. La plante, en vrai, je suis pas plus fan que ça. Je mettrai plutôt... Alors la fontaine, ça dégage. Enfin, ça dégage. Ça va se mettre dans un coin. Ça, si on le met ici, ça peut être sympa pour la photo. En fait, l'idée, c'est de pas avoir un truc qui coupe, tu vois. Que tu sois... Que t'aies l'impression d'être dans le musée, genre au cœur du truc. Ça, ça peut être sympa. Le tableau, moi, je pense qu'on le verra pas, mais je vais quand même le mettre ici, si jamais je pousse. Le cadre. Et ça, j'aimerais bien l'enlever, mais qu'est-ce que je mets à la place? Peut-être lui, parce qu'en vrai, on le voit pas bien, sinon. Hop. Et il y a un tableau, là, qui me sert à rien, que je peux peut-être essayer de mettre là, mais je pense qu'on le verra pas non plus. Le banc à la place de la plante. On le verra pas trop. Oh, mon pauvre Samo! Mais non, mais non, mais non. Vas-y, attends. Tu vois, genre, si je prends un truc comme ça, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit... Il me faudrait un petit truc là encore. Peut-être le banc. Tu vois, genre, on voit... mais ouais, mais en fait, ça dépend comment je cadre. Comme ça, c'est pas mal, en vrai. Hein. Comme ça, c'est pas mal, hein. Il manquerait juste un truc un peu là. Parce que ça se voit qu'il y a un trou. À cet endroit-là.
Là, on est pas... Eh, quoique là, avec le paravent... Eh, comme ça, c'est pas mal du tout, hein. Je vais peut-être juste mettre le banc. Non. Parce que j'ai rien d'autre de long qui serve pas, non. Peut-être le banc ici. Qu'on devine qu'il y a un truc, tu vois, sans forcément le voir à fond. Bisous, Manini! Belle journée à toi! Tu vois, genre, un peu comme ça. Il faudrait l'incliner un poil plus. Vers le... En fait, j'aimerais bien qu'on voit le tableau là. Mais si on voit le tableau là, on voit plus celui-là. C'est bien comme ça, non? Faudrait que je change l'outfit. Parce que là, princesse... Princesse, c'est pas forcément ouf. Ah bah, très bien. On va vérifier... Non. On va vérifier... Oh bon, c'est rapide. On va vérifier si le Dream Snap fonctionne. J'aurais mis le banc derrière toi. Comment ça? Ah, je peux le mettre dans le fond là-bas. On va peut-être... Ah ouais, t'as peut-être raison, attends. Parce que, en gros, si ça, je peux genre le mettre là. Et genre mettre le banc là-bas. Et décaler ça, comme ça on le verra. Comme ça? C'est un peu plus plein. Mais à la limite j'enlève les parchemins, ils servent pas à grand chose. Hein. Hop. Ah c'est pas mal comme ça. Ouais, grave bien vu. Grave bien vu. Ouais. Attends, du coup, on va faire une simu. Savoir si ça colle déjà. Ouais, c'était comme ça qu'on avait fait. Ah, mais parce que du coup, oui, oui, comme ça. C'est pas grave si on voit pas tout non plus. On peut pas tout voir. Hop. 21 sur 5 et 14 sur 6. Ah, ah bah là, je me suis appliquée, hein. Alors, on va la changer, la fifi. Hop. Ah bah ça va. Ah bah là... Un petit costume. Un petit costume, c'est sympathique. On va juste lui changer un petit peu les chaussures pour que ça aille avec. On va lui garder les couronnes, hein, parce que ça reste une queen. Alors, si c'est par rapport au bonus, là, je vais avoir de bons points la semaine prochaine. Hein. Ça a son charme. Ça, j'aime bien les grosses chaussures. On va aller mettre des petites chaussettes. Est-ce qu'il y a des petites chaussettes jaunes? Non. J'en demande trop, c'est ça? Plutôt celle-là, c'est joli quand ça remonte un peu. Voilà. Et lunettes. On va lui remettre ses habituelles. Ça va être toi, Reverse? Ah mais oui, mais si, c'est les mêmes lunettes, c'est juste qu'elle n'a pas le même make-up, c'est ça qui m'a perturbée. On va remettre un make-up un peu plus neutre. Un fard à paupières, c'est là. Oui, non, là, c'est fort voyant.
Voilà. Très bien. Oui, c'est vrai qu'elle a, elle avait un rouge à lèvres assorti à l'ancien truc. Mais non, je veux... Voilà. Plus nude. Eh ben, let's go. Je sais pas si je cadre plus par là. Ou plus par là. Parce qu'il y a des trucs à voir de partout, en fait, alors... Comme ça, c'est pas mal, non? Il faut que je cadre ou plus d'un côté ou plus de l'autre. Parce que là... Non. Grumpf. Parce qu'en fait, sinon, c'est où on voit tout d'un côté, où on voit là, tu vois. Genre là, on voit au moins le tableau, on voit au moins que c'est pas fini, fini, tu vois. Hop. Ça me semble très bien, là, non? Peut-être, alors, peut-être un tout petit peu plus haut pour le double menton. Comme ça, on voit un petit peu, on voit un petit peu tes fitties en haut. Jeune ou il a une tête intelligente. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? En vrai, c'est beau, hein? On valide? 21 sur 5, 14 sur 6, bonus dépensier 18, bonus extraordinaire 21. Elle a un air suffisant, j'adore. Le but du jeu, tu vois Animal Crossing, il y a l'idée, et en plus t'as des quêtes de personnages, et tu fais des quêtes avec des personnages Disney. Très beau, oui, ah, magnifique. Samo, tu valides? Hop. Là, on est dans le thème, là. Là, on est dans le thème. Parfait. Et je sauvegarde. On va vérifier que ça ait bien fonctionné, parce que hein, voilà. Top. C'est joli, hein, quand même, hein. Franchement. Alors, du coup, on va... peut-être qu'on va pouvoir faire ça vite fait. Il est quelle heure? Midi. Oh non, c'est pas là que je voulais aller. Ah bah si, c'est là que je voulais aller. Hop. Il y a là ma fontaine, il va dire non. Oui, je fais juste une minute de silence pour ma fontaine. Rimoucha, tu connais très bien Samo. C'est magnifique. Si avec ça, t'as pas 4000 pierres de lune ou plus, je ne comprends pas et mon cœur restera fermé. J'avoue, moi aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire quelque chose. Ah oui, quelque chose de brillant. Je vais le faire dans la mine. Oh bah tiens, elle va venir avec moi, elle me double mes scores après tout. On va essayer d'avoir ça. Non, je patauge dans l'imbécilité. C'est bien, on a bien bossé, hein. Franchement, on a fait le Dream Snap. On a fait pas mal de quêtes d'event, mine de rien. Ça sert à gagner des pierres de lune, Lauriane. Les tâches royales, c'est ça. Le truc hyper relou, là, les petites missions chiantes... Du coup, je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu aussi. Mais je vais changer de continent. J'irai de l'autre côté. Ce sera peut-être un peu le dernier truc que je ferai. Dans la partie. Là, ça serait bien qu'on s'arrête pour midi et demi, je me dis. Le temps que je mange, quand même. Je vais juste faire un tour de mine. Et puis, si j'ai pas de truc brillant, j'ai pas de truc brillant. C'est pas grave. On va pas se battre, hein. Parce que ouais, faut que je parte comme j'ai signé après. Bon. Je crois qu'il y en a un ici, je sais plus. Oui, c'est là qu'il y en a un. Bisous, Lucifer!
Steven est dopé. Ah, Dream Snap, il faut continuer à faire. Je veux bien que tu aimes bien Ska, mais de là à dire. De là à ce qu'ils disent, je patouche dans l'imbécilité, que tu réagisses pas. Bah, c'est une expression à lui. C'est pas méchant. Les fameuses pierres bleues, ouais. Je vais voir. Comment il s'appelle ? Pierre Ninet ? Le comte de Monte Cristo. J'ai eu un bug. Non, midi et demi, Sagittaire. Midi et demi, j'ai dit. Le comte de Monte Cristo. J'espère que je vais pas bondir par rapport au roman, mais. Et les souvenirs. Oui, c'est vrai, Samo. Mais j'y suis allée avant que t'arrives, hein, pour les souvenirs. Mais oui, il faut que je refasse un tour. Je pense que je ferai pas les autres 4 events, en fait. Effectivement, si je refais un tour de souvenirs plus récupérer les récompenses, ça va pas le faire. Ah, ok, ça reverse. Bah là, j'ai pas pu voir puisque je suis en train de streamer. C'est normal. Il paraît, bah, Kalia, il a que des bons retours, donc. C'est pas des diamants, ça. Après, je prends quand même, hein. Mais, bon. J'ai hâte de savoir si tu vas bondir. Oh, bah oui, moi aussi. Bah, j'espère aussi, Kiki. Ne serait-ce que pour pas m'ennuyer pendant 3 heures. Non, mais après, tout le monde l'a adoré. Après, en fait, je sais que des fois, j'ai un esprit chiant. Et après, en vrai, j'y vais en disant que je vais pas aimer. Donc si ça se trouve, ça va faire comme les 3 mousquetaires la suite. J'y étais allée avec un gros a priori négatif et j'avais passé un bon moment. Très bon moment même pour la suite. Donc en vrai, peut-être je me dis ça va faire la même, tu vois. Ok, Mimoudou, tant mieux. Mimoudou. Nanana nanana nanana. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Ouais, 1 sur 3. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On va quand même essayer de boucler le basilic, parce qu'il en reste 2 et ça me ferait vraiment schmutz de les stocker. J'ai pas encore vu Vice Versa 2, non. Hop. On va en profiter. Tiens, bah, tu peux t'en aller, Vanellope. Bouge, bouge. Qu'est-ce que c'est que ce quartier? Ce quartier? on va passer dans les maisons de Mickey et Minnie, Dingo. Pour les souvenirs. Parce que c'est vrai que oui, là, je pense qu'il va falloir que je me connecte hors stream pour les avoir sinon. Parce qu'il m'en manque. Là, il m'en manque pas mal. J'en avais eu pas mal la première fois, mais. Oui, oui, c'est les voix françaises, Baguette. Oh, tant mieux, Reverse. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mes voisins sont super. Pourquoi Samo? Ah, parce que tu veux attendre, c'est ça? Ah ouais, mais t'es couillon. Hein. Qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, chouchou? Oh, c'est mignon, Rimoucha. Bon, lui, il est coincé, je peux pas l'avoir. Il veut le faire au dernier moment, Sagittaire. Ok, et on va repasser au château vite fait. Putain, Péridot, on en a que un. On a bien fait de prendre la quête de Mulan là, en vrai. Hein. Parce que d'habitude, je prends pas les quêtes. Je suis en mode, vas-y, je les fais comme je les fais plus tard, tu vois. Mais là... Y'a rien. Y'a Jack pour le moment, ouais. Reverse. On a Jack. Et on a eu la robe de Sally en truc à récupérer aussi. Que d'ailleurs je n'ai pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Ils ont pas remis
Après, ils vont ajouter des persos. Ah, ils vont ajouter des persos souvent. Hein. À chaque match, on a de nouveaux personnages. Je vois ce que tu veux dire, Samo. Quand on a des doubles, on a de l'argent et du coup, on n'a pas les souvenirs. Je vois, je vois. Ouais, faudra que je me connecte hors stream. J'arriverai pas à avoir tous les souvenirs là. Not possible, not possible. Surtout qu'il me donne du pognon le nouveau skin. Enfin, si j'avais ce qui me manquait à chaque fois, on l'aurait bouclé là le machin. Hein. Mais non, il me donne des doubles. Il y a un objectif de 200 souvenirs. Oui, alors oui, mais qui est valable non-stop. Donc disons que là c'est l'occasion de le farmer, mais tu peux le finir plus tard. Samo m'a déjà brief. T'inquiète. Vos Disney préf, j'aime beaucoup beaucoup La Petite Sirène de mon côté. J'ai quand même un gros fait pour les dessins animés des années 90 de manière générale. Même si La Petite Sirène date de 89. Et mais la génération 90 quoi. Tout se fait en 2D. J'aime beaucoup aussi les nouveaux héros. Dans les plus récents. Réponse est très cool aussi. Mais La Petite Sirène reste mon... Bah, aucun des deux, Rimoucha, entre, genre à l'heure normale. Bonjour. 10 minutes avant le début du film, quand les bandes-annonces ont commencé, quoi. Ou avant les bandes-annonces, quand je suis vraiment en avance. En vrai, quand ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma, j'essaie d'y aller avant les bandes-annonces, comme ça je les vois en salle. Quand je suis en phase où j'y vais tous les jours, j'essaie de calculer pour pas arriver au début des bandes-annonces, parce que sinon, bah, je les connais toutes par cœur et ça me saoule. Bonjour. J'ai pas regardé encore le shop premium. On va se le faire à la fin là. Je te remercie. Moi aussi, Picsou. C'est moi qui te remercie d'abord. D'ailleurs, mais il avait pas de petits souvenirs. C'est la tristesse. Bonjour. Ah oui, Reverse, il est magnifique ce dessin animé. Après, c'est techniquement pas un Disney. Ah bah si, quoi qu'ils ont racheté. Ils ont racheté aussi. Du coup, il n'y avait pas de petits trucs chez Picsou. Pas de petits souvenirs. Pas de petits souvenirs. Ah bah si. Je vais repartir en plus. Il était là et j'allais l'oublier. Ah, quand même. On y est presque, hein. Genre, en fait, il manque un morceau pour les trois. C'est difficile de faire plus proche, là. Hein. Faut juste tomber dessus, quoi. J'adore voir les choupes qui sont en mode « T'es riche comme moi à l'époque, qui pensaient que ça faisait tout ça dans le jeu. » Oh que non, en tout cas, pas cet argent-là. Voilà ça. Bah après, c'est bien d'avoir ce pognon-là, comme ça t'es peinard, mais... Ça remplace pas quoi. C'est les pierres de lune surtout qui sont utiles. Enfin utiles. Né 12h12. Hop. Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Oh bravo Degon. Tu peux être fier. Non. Bon bah du coup je me connecterai pour le faire hors stream ça. Sinon on va pas s'en sortir. Il reste combien de temps d'event pour les trucs vice versa Samo? Ah oui le basilic. J'allais oublier le basilic. J'espère qu'il y en a deux. Hein. Sinon au pire je les aurai la prochaine fois. C'est juste que là je me dis s'il y a une quête en mode aller parler à un perso. Ce serait quand même couillon de pas l'avoir. Ouais! Nickel! Hop là. Fabrique quelques mannequins. C'est quoi, hein? Oula, il y a un bug, je pense. Je pense qu'il y a un petit souci. Oui, il se passe rien, il se passe rien. Juste ça fait le bruit.
Jusqu'à mercredi prochain. Ah, bah peut-être en fait. Il y a peut-être moyen que je le boucle. Il y a peut-être moyen que je le boucle, hein. Faut beaucoup de ressources pour les mannequins. Ah. Bon, déjà, attends, la quête de Mulmul, je vais arrêter qu'elle me suive parce que ça me stresse. Je vais peut-être aller ranger mon bordel. Peut-être Rivers. Non, je connais pas. C'est quoi du coup les mannequins? Je vais voir si je tombe dessus. Ah, j'ai le truc stylé. Bisous baguette. Ah, dans item. Ah. Dans item. Ah. Il en faut 10. Ça sert à rien. Ah ouais, il faut plein de fibres en fait. On va en prendre 100. Hein. Samo, toi et ton truc. Fabrique quelques mannequins. C'est vraiment l'euphémisme le plus balèze de la life. Hein. Bon, on va tous les prendre. Hein. De toute façon, il faut en prendre en double alors. Ok. Tant qu'à faire, autant avoir de la variété. Hein. Oui, Samo, bon, enfin bon, 10. Tu vois quoi? Je vérifie quand même que ça a bien fonctionné pour le moment. Oui, 6 sur 10, merveilleux. Mais c'est vrai qu'on peut acheter les fibres à Christophe. Hop. 7. Mais bon. C'était trop bien comme quête. Satisfait des commandes au restaurant chez Rémi. Eh ben nickel, on va du coup juste faire ça. Et on va pouvoir stopper sur les quêtes. Et du coup stopper tout court, juste ranger mon inventaire et récupérer les récompenses. Ouais, c'est vrai Scarlett, mais bon. Granité nature et banana split. Je suis étonnée que j'ai pas plus de clients. Granité nature, granité nature, granité nature. Granité nature, granité nature. Il est. Non, il est là. Oui, bah Sagittaire, c'est tout lui, hein. Hop. Non, mais c'est vrai que moi, les costumes. Mais c'est vrai que ça peut être sympa, hein. C'est vrai, c'est vrai. On va faire une tenue assortie. Ah, trop cool, Shani, alors t'as aimé? Merci, très cher. Comment ça va? Ah, il va me donner des sous, Bob Razowski. Oh, belle remontada! À bientôt. Mais eux, ils ont pas de trucs à bouffer, c'est bizarre. Ah, et Daisy, sorbet au citron. Ah oui, tous en dessert. Comme ça, on le fait, et ça nous fera ça de moins à faire la prochaine fois. C'est très bien. C'est très très bien même. Sorbet au citron. Tu leur as déjà donné. Je me rappelais pas que j'avais donné à Eric. Mais oui, ça doit être ça. C'est la seule explication plausible. Tiens ma Daisy. Regardez qui est là. Oh, c'est moi. Et en plus on augmente le niveau, c'est parfait. C'est parfait. Et elle me donne du pognon, c'est encore mieux. Nickel. On repasse à la baraque.
Ah non, ça, moi, je suis pas d'accord. Franchement, l'Even, je le trouve vachement bien cette fois-ci. Par rapport au dernier, le dernier était éclaté. Le dernier, vraiment... Là, franchement, je le trouve bien. Hein. Bah voilà, Samo a mis le lien de l'appli sur Discord. N'hésitez pas. J'ai beaucoup de choses là-dedans, dis donc. Alors, des petits trucs. Ça, je suis full. Je vais pas avoir grand-chose à ranger là-dedans, en fait. Hein. Bah non, pas du tout, même. Si, alors attends, je vais reprendre un peu de bois dur. Hop. Pas tout. Non. On va pas s'en sortir. Hop. Voilà, séparé. On va en garder 5. Ça, ça redégage là-bas. Hop. Et il me faut du bois blanc, idem. Hop. Hop. Ça, ça me tend que ça se mette pas de l'autre côté. Voilà. Ça, ça va là. Et pour là, on est bon. Je trouve aussi, surtout maintenant, on a des fleurs de cerisier en mode construction. Oh, trop stylé! Les pommes, on est full. Les tomates. Oh, bah, j'avais vraiment pas besoin de tout ça. Vraiment, j'avais pas besoin de tout ça. J'en ai 80. J'ai de quoi faire un verger de tomates. Il t'en dirait des pierres de lune que tu as en double d'ailleurs. Je te l'ai dit, déconne jamais avec tes pierres de lune. Mais tu m'avais dit, oui, que c'était de toute façon que la dernière fois, le bug que j'avais eu, c'était rectifié dès que tu te reconnectais. Tu m'avais dit. Après, j'avais même pas capté que je les avais eu en double, donc on peut pas dire que ça m'est lésé. Hein. Un peu d'or en plus. Les cristaux, ils sont là, je crois. Non, ils sont pas là. Non, on va mettre les cailloux. Ah, c'est des brillantes, celles-là. J'avais pas vu. Egg marine, ça va là. Saphir. En vrai, pour le moment, je vais tout mettre. Et je verrai pour trier plus tard. Et il me reste les grosses pierres, mais elles sont là, normalement. Non. Elles sont là, alors? Oui. Séparer. Voilà. Et ben on est pas mal. Et il me reste les poissons. Ah non, les poissons que j'avais dit que je les vendais. Hein. Craig pour l'entrée du parc, Thibaut et Cécile, toi qui adore les trucs vintage. On va voir. Je vais vendre mes trucs et on va voir. Faut que je sache où la mettre aussi. Hein. C'est toujours le problème. Midi 22. Hé, on va pouvoir s'arrêter pour 30. Ça, c'est bien. C'est bien, bien, bien. Content de te voir. Alors, vendre. On vide les stocks. Je déteste commencer une partie alors que j'ai du bordel de la partie d'avant dedans. Ça me tend. Bon, la pizza VG, du coup, elle me sert à rien. Eh bah ça nous fait 17 500, hein. C'est pas dégueu. Ça déprime pas de ne pas entendre la musique d'état. Ça va, je m'en remets, Samo. Je passe pas devant tous les 4 matins, faut dire. Hein. Du coup, événement, on est d'accord que là, pour la prochaine fois, bon, il y a la bouffe, mais la bouffe, en vrai, je préfère le faire quand j'ai aussi à donner à mon réseau au restaurant, parce que c'est pas très chiant. Ça sera vite plié, je pense, il n'y en a que 3. Il en aurait fallu 20, ça aurait été moins drôle. Là, bon, ça va, ça c'est chiant, on en a 5, au moins on n'est pas de 0. Et ça, on va le plier en 2-2. Donc c'est très bien. Du coup, les récompenses. On en était à ce niveau-là. Attends, j'avais récupéré quoi? Ces 3 trucs. Du coup, je récupère les pierres de lune, bien évidemment, en premier. Oui, je sais. Mais je sais, laisse-moi tranquille. Il est pas ouf le papier. Ah, les cerfs-volants, j'aime beaucoup. Même s'ils prennent beaucoup de... Ah! Les cerfs-volants, j'aime beaucoup, même s'ils prennent beaucoup de pièces.
Pile de fleurs, c'est joli. L'outfit est beau, hein. On va prendre l'outfit. On va prendre les cerfs-volants. Ensuite, on passe à la page suivante. Évidemment, les pierres de lune en premier. Ah, mais c'est chiant, hein. J'aime bien l'outfit aussi. La wig est belle. On va prendre la wig. Et on va prendre... Allez, les lanternes. Comme ça, je peux aller directement au niveau 6. Et j'ai pas de quoi récupérer les pierres de lune, mais au moins il est débloqué. Ça aussi, elle est belle, hein. L'arche, là, elle est superbe. Le sac est très mignon. La wig, j'aime beaucoup. Bon, ça, c'est pas fifou. La grenouillère, j'en ai un peu rien à faire. Mais elle est mignonne. En fait, c'est, au moins, c'est original. Genre, le gong est stylé. Enfin, vraiment un truc sympa. Donc, alors, du coup, il m'en reste 45. Mais je vais les garder, puisque, du coup, la priorité, c'est de récupérer ça la prochaine fois. Donc, c'est très cool. Je suis contente. Après, il reste plus d'un mois pour finir l'event. On est déjà au niveau 6. Alors, évidemment, là, tu vois, il y a un truc qui vaut 100 pièces qu'on n'a pas. Hein. Enfin, je veux dire, on avance, mais il faudra évidemment revenir en arrière pour tout. Mais je suis contente. Je suis contente, franchement. Du coup, on a fait le Dream Snap. J'ai voté pour le Dream Snap. Ça, j'ai récupéré. Et il reste la boutique, du coup, voyons voir. Le temple d'alerte rouge, oui, il est beau, en vrai, le bâtiment est beau, mais 3750, et en plus je suis pas plus fan que ça du dessin animé, donc non. Les trucs de Mei Mei, c'est mignon, mais non, trop cher en plus. Ça c'est joli, le kit d'outils, parce qu'en fait il y a un moment, il faudra que je m'en achète un kit d'outils, parce que moi j'ai le truc de base, c'est un peu dommage. Mais bon, 3750, clairement pas prioritaire, ça c'est pas beau, ça irait avec mon Main Street. Ça irait avec Main Street, mais je saurais pas où le foutre, donc ça ira. Ça, c'est pas beau. Ça, je l'ai déjà. Ça, j'ai déjà. Et oui, du coup, ils ont fait une promo sur Wall-E, mais ça attendra. Hein. C'est pas pressé. Ouais, effectivement, le truc de Main Street est un peu tentant, mais je saurais pas où le mettre. Donc, pour 1750, clairement, je vais passer mon tour. C'est pas... Mais il est pas trop cher. En vrai, il est pas abusé. Il est pas abusé. Juste, bah, faut trouver un endroit, quoi. Parce qu'en fait, ce qui peut être sympa, c'est si tu passes par la porte, t'es obligé de passer par la porte. Donc, faudrait, genre, mettre des murs et tout. Enfin, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Bref, il est midi 26. Je crois que c'est la première fois que je dis que ça serait bien d'arrêter à telle heure et que j'arrive vraiment, vraiment, à arrêter à telle heure. C'est une première, je crois. Je vais filer déjeuner. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve du coup demain. Oh, même si je sais pas ni quand ni comment, on avisera. Et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous, bisous. Bon appétit à tous.